Coucou YouTube, c'est Lino, on se retrouve pour un nouveau jeu. On est sur Lazarette, un jeu d'horreur où tout se passe dans un bateau, donc c'est hyper original. J'espère que vous avez bien aimé le gameplay. Je parle super vite, je sais pas pourquoi. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, on est toujours en live quasiment tous les soirs, sauf quand je suis pas en live. Et puis des bisous, bon let's play, bisous bisous. Oh mon dieu les gars, c'est trop bien. Oh c'est trop bien. Oh c'est trop trop bien. Voilà, oh là, il y a une tempête et tout en plus. Oh c'est incroyable. On est là et du coup on va se poser. Ils vont nous lâcher dans le paquebot. Oh dans le bateau. Non, je vois rien du tout les gars. Je vois rien du tout. Je ne vois aucune. Il y a la lumière par contre, c'est bizarre quand même, non? Je vois de la lumière. Wow. J'avoue, c'est Call of Duty. C'est trop stylé, j'aime trop. Par contre, les mains. On a plus de mains, les gars. Ok, Lady. On a plus du tout de mains. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Parce que moi, le son, il est hyper fort. Oh, attendez, le son, il est hyper fort. Je suis en train de crier vraiment. C'est abusé. Ça va là? Ouais, normalement on est d'accord qu'il a disparu depuis un moment. On n'est pas censé avoir de la lumière quand même. Oh, la sensibilité elle est un peu trop élevée. Il est beau déjà le jeu. Gameplay. Hop. Ouais, c'est mieux le son. Et on est déter en plus. Peut-être que... Coucou Rikizi. Rikiz. Oh, elle est encore forte. Je suis désolée les gars. Oh dire. Trop forte. Les gens qui ont des sensibilités élevées, je sais pas comment on fait. Hein. Oh là là. Mais ça marche pas quand je fais appliquer. Si. Et non. Ça ne marche pas, oui. Ah, peut-être là c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, ok. Donc ouais, Derry, coucou Lucifer. Les gars, on est, pour ceux qui ont loupé le début, on est sur un jeu d'horreur. Où en gros, on est un sauveteur. Il y a un grand bateau, un super grand paquebot en vrai. Qui a été porté disparu. Et il, genre, il est ressorti de nulle part. Et on va... Ah, c'est verrouillé. Ok. Et donc là, on vient d'atterrir. On nous a déposé en hélicoptère. Et on va essayer de voir s'il y a encore des gens en vie. Oh, Kiwin! C'est vrai, Kiwin! Je suis trop contente. Déjà, là, le début. Le début, déjà. Ouh là là, c'est pas ça. Oh, j'ai une clé, les gars! Incroyable! Ah, ok, va falloir tout. Ah, c'est pas. Même ici, du coup. Ah, ouais, mais les gars, même ici, on peut trouver des clés et tout. Je pensais que c'était vraiment genre un lobby pour commencer, moi. Bon, bah, attendez, on va quand même bien inspecter alors, parce que si on doit faire un demi-tour. Donc là il n'y a rien. Et derrière ici, d'avoir des trucs c'est sûr. Il n'y a rien. Il est encore là mon pote. Ah ouais. C'est trop bien fait. Je suis choquée les gars. Et, enfin, en fait, et on est vraiment des clodos. Hein. C'est trop grave. Je suis choquée parce que je joue à un jeu où il y a un hélicoptère. Tellement qu'on joue à des jeux nuls. C'est trop grave. Ouais il nous envoie tout seul. Bah je sais pas, ouais j'avoue. Ok, bah là les gars, j'ai rien trouvé. On va monter à l'étage, on va voir si ma clé va me permettre d'ouvrir le cadenas. Parce que c'est André une petite. Oh ouais, c'est ça. Oh, incroyable. Let's go. On dirait que le son est fort encore. Ah ouais. Attendez. Ah, j'avoue, le son. Ah, j'avoue, il n'a pas été baissé du tout. Hein. Normalement. Ah non, mais il est bizarre. Le jeu, il est bizarre, hein. Ah c'est bon. C'est mieux là? En vrai là c'est mieux. Ça casse moins les oreilles. Hein. J'ai l'impression d'être vraiment dans la tempête. Ça me rappelle d'un jeu avec un hélicoptère brûlé. Où était? Je me souviens de ce jeu. La clé à poire. Alors je sais pas s'il fallait faire ça. Ah. Alors, je sais même pas s'il fallait faire ça. Hein. Les gars. Hein. Vraiment, on va essayer. Hein.
pas pourquoi j'ai fait ça, moi j'avais pas d'objectif hein, quand je suis montée là-haut, mais bon, on verra ce que ça va faire. Hein. Attends, remonte. Ah, je peux plus. Ah si. Il y a encore un escalier en haut. Enfin une échelle. On peut pas. Ah, ok. On descend. Le jeu de drogué. Pensez à le jeu de drogué. Bah non, pour l'instant, la pomme, la poire. On a joué à un jeu d'horreur, les gars. Je vous jure, c'était un jeu d'horreur. Vraiment, c'était un jeu d'horreur. Ou un hélicoptère, c'était une poire. Je vous jure, c'est vrai, c'était vraiment une poire. Et je suis rentrée dedans. Et il y a le bruit d'hélicoptère. Et les développeurs, ils ont mimé. Enfin, mimé. Ils ont bruité, du coup. Le bruit d'un hélicoptère en faisant... Bah là, le son, non, ça va, Kiwin, en vrai, je l'ai rebaissé aussi. Le son, ça va, les gars, non? Mais du coup, j'ai bougé ça, moi. Je comprends pas pourquoi. Y'a un truc, là, où... J'ai bougé, ce truc-là. Peut-être pour après, alors, parce que, les gars, pour moi, je vois pas pourquoi j'ai bougé, hein. Bon, vas-y, on avance, on va voir après. Pas grave. Ok, ici, il y a une échelle, mais elle est trop... Elle est haute, elle est remontée, donc on peut pas monter. Et y'a toujours personne, hein. Non, Poppy Playtime, les gars, moi j'ai pas aimé, hein. Désolé. Ici, enfin moi en tout cas, je suis anti Poppy Playtime. Vraiment, anti. Ah, c'est bon, on est dedans. Ok, quand c'est rouge, c'est que la météo, elle est... c'est dangereux. Donc là, c'est... Vert, ça va. Et jaune, c'est un peu danger, quoi. Ok. Ça va, on est bien, là. Y'a un petit bruit, mais... En théorie, on va rien soupçonner. On arrive, les gars, on est sauveteurs. On va juste soupçonner que le bateau il a subi une tempête. Et que c'est pour ça qu'il était... Je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Et je peux courir, ouais. On va pas soupçonner que c'est un bateau fantôme, quand même. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore des gens vivants ici? On va voir un rat passer. J'ai entendu du bruit. Simon, est-ce que t'as trouvé quelque chose? Bah, pour l'instant, rien. Non. Hein? Lockdown, c'est... Il y a du bruit, là. Lockdown, c'est quoi, les gars? J'ai reçu un snap. Make your way to... On verra. Il y a beaucoup parlé, les SMS qu'ils m'ont envoyé, les gars... Là, il y a quoi? Oh là, il y a rien. Confinement? Ah, ok. Oh là, il nous faut un mot de passe. Oh là 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 là. On a une valise. Est-ce qu'il y a un flingue? Mais comment ça se fait qu'ils ont le journal? Peut-être c'est pas... Non, c'est pas ce bateau-là, je crois. Non, non. Ils parlent d'un bateau qui a été... qui est porté disparu en Atlantique. Ok. D'accord. 1564. Mais non, ah, désolé. Y a pas de... Y a pas pour l'instant de... On a pas de code pour l'instant. Arrêtez. Juste... Y a quelqu'un là? Y a quelqu'un? Ah non, ok, c'est bloqué. L'ascenseur est bloqué. J'entends du bruit. Ah non, c'est moi, c'est la chaîne. Attends, il me fait peur le jeu là. En vrai, ça fait peur. Genre un bateau, c'est l'idée, elle est vraiment excellente. Hein. C'est fermé, ok, tant mieux. Tant mieux. Déjà là, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace. Hein. 40 fois, à gauche. Ok, il y a un autre papier, non. Y a-t-il quelqu'un? C'est pas possible qu'il y ait personne. Parce que le... Enfin, après, si... Non, mais... Non, c'est impossible qu'il y ait personne. Au moins, on verrait des corps. Ah, voilà. Ah. Ah voilà, il y a un corps. Il y a une jeune dame. Ah. Oh, il est mort comme ça. Il y a des champignons qui ont poussé et tout. Ah, oh, ça me dégoûte. Le bateau, il commence à tanguer, là. Les gars, j'ai déjà vécu être dans un bateau quand il y a des turbulences. Enfin, turbulences. Ça se dit pas turbulences, je crois. Des... Comment on dit? Je sais plus. C'est horrible. Hein. C'est vraiment horrible, hein. J'arrive même pas à marcher. Ah, c'est bon, il y a des gens là. Attends, c'est impossible, ils sont morts.
Ils viennent de mourir en plus. Le truc, il est porté disparu depuis longtemps, mais ils viennent de mourir. Et ils se sont barricadés en plus. Ah ouais. Ah si, 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 si. Il y a un petit problème là. Il y a un papier, Henri et le docteur. Quoi, comment ça, ils ont détruit la communication il y a 2 jours. Ça n'est toujours pas revenu. Ok. Ouais, c'est ça, les bateaux, c'est horrible. Ils viennent de mourir. Quelqu'un les a tués. Ah oh non, 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 c'est pas sauvegarde automatique. Les gars, il va falloir faire attention. Hein. Et là, on a un mort. Ah, le code, c'est ça, les gars. Le code 1. Et quelqu'un. Non, non, non. 49-47. 19-47 que tu racontes. 19-47. Je peux me cacher, je vais péter un plomb. Oh les gars, on fait demi-tour. Venez, on fait demi-tour. Ah ils savent que on, ils savent qu'on va repartir, non? J'ai peur. Ils savent. C'est trop bizarre. Vite, on se dépêche. Il y a eu du bruit en haut. Je suis terrorisée. Hein. C'était où? Je m'en avais plus. C'était là, non? Non, arrêtez, j'ai peur. Non, arrêtez. Ça fait trop flipper. Non, ça fait trop flipper. Ça fait peur. C'est horrible. Non, les gars, c'est trop horrible. Ça fait trop peur. Attendez, pause. Je vais vous mettre du son. Beaucoup de tonton. Ça fait trop... Ça fait... Oh là là. C'est là, c'est là. 19-47. Si c'est pas ça, on se tape la honte. C'est ça. C'est une lampe... Ah non. Les gars, on a un... Anchoir relique. Ok. Ça doit être pour une porte, ouvrir un truc, je sais pas quoi. Vite, on repart là-bas où on était. C'était là, hein. J'ai entendu du bruit derrière. Mais si c'est écrit anchoir. Ah non, c'est pas anchoir. Un anchoir. Juste... Ah non, vas-y, il est trop stressant, le jeu. Oh mon dieu, il est vivant. Vous l'avez vu? C'est chaud. Comme il se bouge. Je crois vraiment ça, les gars. Ça va faire du bruit. Il faudra faire attention quand on sera poursuivi. Attendez, mais c'était celui qui était dans la... Le jeu est trop trop bien fait. Ils savent qu'on était... on est parti chercher le code. Je t'ai vu, t'as bougé, hein. J'ai pas marché. J'ai entendu tes pas. J'ai pas marché. C'est moi. Oui, je peux m'accroupir, les gars. Ouais, ouais. Ah, c'est ça. C'est ça, les gars. J'avais pas vu. Attendez, on va recharger. On va sauvegarder. 50 millions de sauvegardes. Hein. C'est pour ça. Ok. Oh, ça tangue. Hein. Ça tangue de fou. Et est-ce que je pourrais m'accroupir pour passer par là? Il y a un corps, on peut pas passer. Ok, c'est rassurant. On devrait appeler Simon, non, quand même? Je peux pas casser avec ma main. Ok, il faut trouver un objet. Moi, là, j'enverrai un SMS, hein, quand même. Hein. Je sais pas, mais il y a... Il y a du sang partout, en plus. On n'a pas de lampe. Il y a trop de trucs. Ok, il y a des trucs sous l'eau, dans l'eau. Quoi? Il y avait une ombre? Attendez, je remets du son. En fait, vu qu'il n'y a plus la tempête, ça va maintenant. Je peux vous remettre du son. J'ai pas vu l'ombre. Enfin, j'ai vu vite fait, mais à la dernière minute. Ok, ça tangue. Oh là là, c'est stylé. Franchement, le jeu est vraiment cool. Hein. Ok, attendez, on va prendre mon téléphone pour traduire plus vite, là. Oh, on m'a répondu. J'ai dit félicitations. Donc t'as tes règles, hein. T'es pas enceinte. Certains membres de l'équipage essayaient désespérément de rejoindre le pont principal aujourd'hui, mais les ordres du capitaine de ne pas sortir.
malgré les ordres du capitaine de ne pas sortir. Ils insistaient sur le fait qu'ils devaient monter sur le pont et certains devaient même être physiquement retenus. Le système de verrouillage météo a été contourné pour empêcher quiconque de essayer. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous coincés ici maintenant. Coucou Sirem, coucou Reis. L'ancien petit était déjà là. Ok, donc en fait, ils se sont enfermés eux-mêmes parce qu'il y avait une tempête, c'est ça? Il y avait un système automatique? Oh, il y a une pièce. Collection 1. Oh, trop élégant, on va essayer d'avoir les 7. Venez. On essaie de regarder partout et tout. Le mannequin, là, je sens qu'il va bouger quand je vais... Je sais. Vous voyez le mannequin là-bas? Il va bouger, c'est sûr. C'est peut-être pas un mannequin. Ah, il me donne un truc, ah non, ça va en vrai. Il me donne une clé. Ah, c'est pas un mannequin, c'est un homme. Bon, on va platiner le jeu, les gars. Please, please, don't move. On a une clé de... Stairwell. Ok, thank you, run. Attendez, pourquoi ils me disent run? Attendez, c'est rien. Juste, c'est rien. Attendez, ça. On peut se cacher, ok. Pourquoi ils disent run, là? Ça va. En vrai, je panique pour rien, je crois. Parce que la clé, ça sert à... On avait une porte qui était verrouillée. On va courir, hein. J'ai peur. Ok. On va aller trouver une porte qui était verrouillée, là. Mais je sais pas du tout... Laquelle était verrouillée, je me souviens même pas. Ah, oh, j'ai peur. Ah, ils ont besoin de retourner parce qu'ils ont besoin de remettre du carburant dans l'hélicoptère, c'est ça? On revient dès que possible. C'est une blague, comme par hasard. Ils ont pas prévu de... J'avoue, peut-être qu'on vient de loin aussi. Mais ils auraient dû me déposer et directement... Allez, je vais remettre... du fuel, non? Ouais, quelle coïncidence quand même. Ok, attendez, on a une clé. Y a quoi comme porte qui s'ouvre pas ici? Y a tout, hein. Tout est ouvert, à part là-bas, on peut pas. Ok, là-bas, peut-être en... Non. Là. Je crois qu'il était pas content. Oh, y'a quelqu'un? Monsieur? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je suis là pour vous sauver. Nous sommes l'équipe de sauvetage. Êtes-vous encore en vie? Je viens vers vous. Rassurez-vous. Je ne vais pas vous faire du mal. Bon, ok, il a eu peur, hein. Ok, disparu dans la... Dans le... D'accord. Bon. Bah, je crois que c'est par ici au moins. Vu qu'on il a spawn, ça fait une interaction. Donc je pense que la clé qu'on doit utiliser, c'est par là. Et Simon, on a plus... Simon, du coup, on a plus de message. C'est vrai, là. Ok. On va essayer de repartir au tout début. Et de essayer de trouver des portes fermées. Ah, il y a une fuite de carburant. Ah, c'était ça. Ouais, ok. Il y a vraiment que j'avais pas compris. Comme par hasard. Non mais les gars, comme par hasard, il y a une fuite de carburant. Oh, c'est à la hauteur. Ok. Comme par hasard. Puis vas-y, équipe de sauvetage, on est un. Hein. C'est pas une équipe, ça. Une équipe, c'est deux, minimum. C'est pas un. Attendez, je dois me moucher. Oh, il y avait carrément une fuite, tu vois. C'est même pas une panne. C'est une fuite. C'est... Comment c'est possible? C'est pas possible d'avoir une fuite de carburant, enfin un hélicoptère, enfin, c'est possible, tu vois, mais je veux dire... Enfin non, normalement tu vérifies avant de décoller, quoi. C'est comme si tu prenais un avion et tu dis, ah, il y a une fuite de... On repart. Là, tu pars en vacances, t'as une annonce. Ok, attendez les gars, parce que là, on peut plus remonter. Donc on peut plus repartir sur le... À l'extérieur. Donc on est enfermé dedans. Après, il y a une tempête aussi, vaut mieux rester là. Là, il y a quoi à faire? Là, il n'y a rien. J'ai envie de boire, les gars. J'ai envie de boire un cocktail avec du gingembre. Avec du... Du sirop de pêche ou de la pêche, carrément. Oh, j'ai soif de trucs sucrés. J'ai la clé de la cage d'escalier. Ah non, moi, je pourrais pas, tonton. Hein. Rester dans un... Toute seule, ils me disent...
Me dis, tu vas tout seul? Non, 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 impossible. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, les gars. Moi, jamais de la vie, hein. Non, mais en vrai, même avec plusieurs personnes, j'aurais peur. Parce que le bateau, les gars, il a... Enfin, c'est un bateau qui a été... C'est un bateau fantôme, quand même. Oh, oula. Et... Non, mais les gars... Notre personnage, il réagit. Il y a quelqu'un là, déjà, je l'ai repéré. Ok, ne bouge pas. Non, mais les gars, je pourrais pas, moi. En fait, je suis pas claustro, moi. Mais vraiment, je suis pas du tout claustro. Enfin... Mais je crois que tu peux le devenir. Si dans une situation, ton esprit, il sent que t'es en danger, tu vois. Genre vraiment, tu peux le devenir. Tout le monde peut devenir claustrophobe. Un jour. Bonjour. Eux, ils me font pas de mal, je crois. Ils sont gentils. Et vraiment, j'aurais vraiment la flemme d'être claustrophobe. Claustrophobe. Vraiment. Donc je vais éviter quand même les endroits où... Enfin, je veux pas non plus... Attendez, mais là, ça s'ouvre pas. Ouais, il bouge pas. Si, il a bougé tout à l'heure. Il a bougé devant nous. Venez en cours. Ça fait peur là, non? Je vais péter un plomb. On a sifflé là. C'est pas vous, hein, ouais. C'est pas vous? Non, c'est pas vous, hein. Ok, là, faut rien. Là on peut pas, attends, on peut rien faire ici. Je peux rien faire, donc je suis obligée de repartir. Non, 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 non. Attendez les gars, je vais augmenter mon... Oh, ici, je vais augmenter mon son, j'ai trop baissé maintenant. Oh, j'ai peur. J'avais pas vu qu'il y avait une salle à côté. Moi, je... Oh my god. Oh seigneur. Oh, j'en ai besoin de ça. Désolée, je vous prends. Je suis désolée, j'ai besoin de me défendre. J'ai besoin de... d'ouvrir une porte avec des morceaux de bois là. Oh, dépêche-toi. On a aucune lampe. Hein. Depuis tout à l'heure. Hein. Et le corps, il est où? Ah ok, il est au sol. Ah ouais, je suis con. Là. Vas-y, je vais pas avancer moi. Est-ce que je peux me défendre? Je pense pas que je peux me défendre les gars en fait. Hein. Genre le truc elle va me servir que pour ouvrir des portes. Hein. J'ai pas de lampe, j'avoue. Après peut-être j'ai oublié. Non, ce serait bizarre de l'avoir oublié quand même. Non, je pense que j'ai vraiment rien oublié. Hein. Ok. Et là, je peux pas, il fait trop sombre. On redescend. Hein. Non, on peut pas redescendre, en plus c'est bloqué. On peut pas sauter. Ah bah non, attendez, faut ouvrir la porte avec les planches. Bah oui, je suis con moi. Vas-y, j'ai pas peur, je m'en fous. Franchement, j'ai pas peur les gars. Vraiment, il va arriver, je le défonce. Il veut quoi? Il veut quoi le tueur? Il sait pas qui il va faire hein les gars. Il sait pas que je vais l'anéantir. J'ai peur. Merci Blocard. Merci pour 5 mois, merci beaucoup. Les gars, on a pas peur ici nous, d'accord? Comment ça? Il vient et tue des gens? Et eux. Merci Bloca. Attendez, c'était où la porte? Je me souviens plus. Encore en bas, je crois. On a pas peur, c'est bon. C'est bon, il m'a énervé, les gars. Il vient, il siffle. En fait, attendez, ça fait un peu peur, quand même. Un peu, un tout petit peu. Quand même. C'était là, ouais, c'était là, c'était là. Et c'est sûr que c'est un tueur. C'est sûr que c'est un tueur, les gars. Ça va pas être paranormal, je crois. Ça va être vraiment... Hein, c'est sûr. On a vu la bande-annonce en plus. On sait ce qui va nous attendre. Hein. Ok, vite, on avance. On va ouvrir. Vite, ouvre. Ferme. Ok, on a quoi ici? Du sang, encore du sang. On a une lettre. Les statues ont commencé à apparaître le troisième jour. Il y avait juste une ou deux au début. Mais plus... Chaque jour et à la fin de la semaine, il y en avait des douzaines. Enfin, les statues ont commencé à... Ah, donc les statues, c'est pas des gens qui faisaient partie du bateau alors. Certaines statues ont commencé à bouger. Elles ont commencé à tuer 3 personnes. Quand on a évacué la quarantaine, la zone de quarantaine, j'ai sifflé. C'est ça, hein? Oui, ça, c'est sifflé, hein?
Il a commencé à siffler pour son groupe en gros, pour donner, pour en gros, pour appeler son groupe. Et une des statues a répondu. Attendez, attendez, là c'est important. Là c'est important. Là c'est important pour notre survie, les gars. Il a dit, nous n'avons eu qu'un seul décès depuis la dernière semaine. Le sifflement s'est avéré un moyen efficace d'éviter le danger, même s'il ne répondra pas si vous êtes trop pris. Pourtant, je pense qu'il serait préférable pour nous tous de trouver un endroit sûr. Ok. Il nous parle de sifflement. Ok, bon, bref. Si, c'est un tueur, les gars. Si. Bon, après, il y a quand même. Comment ça, je peux siffler là? Ah, attendez, c'est quoi ça? Attendez, non, on va siffler après. Je prends la flashlight d'abord. Ok. Et pourquoi je vais siffler? Attendez, j'ai pas compris, les gars. Je siffle. Est-ce que j'entends le tueur? Ou est-ce qu'il me répond? Ou est-ce qu'il vient me chercher, le tueur? C'est ça, le truc. Je comprends pas. Enfin, j'ai mal lu. Si tu siffles, il siffle aussi. Et donc, je sais où il est. Ah, j'ai pas lu la quatrième page. Attendez. Mais les statues... Ah ouais, les statues, elles ont commencé à tuer des gens. Nous ne sommes plus nombreux maintenant. Les moteurs se sont arrêtés, mais nous ne pouvons pas accéder au pont. Il y a autre chose sur ce navire. Il traque les commis en train de tromper les survivants. L'endroit est plus sûr en ce moment. Et dans cette pièce, j'espère... Donc cette pièce-là, c'est la plus sûre, alors. En gros, tu siffles, et si ça répond, c'est qu'il est... Et si ça répond, c'est qu'ils sont loin. C'est traumatisant. C'est pas possible. Je sors plus d'ici, moi. Il a dit en plus... Non, mais après, la safe place, c'était avant qu'il meure aussi. Je suis con, moi. Elle est en face pour moi. Et s'il siffle plus ou plus? En gros, quand il siffle, il est à côté de moi. Quand il siffle pas, il est pas à côté de moi. Je comprends pas, en fait. Ouais, il est en face de moi, là. Plus. S'il siffle plus, c'est qu'il est... Ah, quand il siffle plus, ça veut dire qu'il est à côté de moi. Non, mais c'est horrible. Mais c'est... Mais je vais péter un plomb. N'oublie pas, s'il est près de toi, il siffle plus du tout. Donc là, ça va, en vrai. Là, ça veut dire qu'il est pas trop proche de moi. Dans le casier, je cours, je vais casser dans le casier. J'essaie même plus parler. J'ai peur, je peux pas sortir. Désolée. Je peux pas sortir, les gars. Attendez, faut faire quoi déjà? Attends, pause, parce que là on a quoi? On a juste une flash là. Ah oui, faut retourner là-haut quand il disait ouais, c'est trop dark. Je peux pas y aller. Faut retourner par là. Ok, let's go. J'ai peur. Ah non. Désolée. Je peux siffler dans la... Oh, je peux pas siffler dedans. C'est nul. Ça, franchement, c'est... Ils ont tout pensé. Ils ont pensé à tout. Donc on continue. Ah, je siffle. Ok, ça va. Il est pas à côté de moi, là. Moi, ce serait... J'ai fait du bruit. Il a pas sifflé. Je pète un plomb. Il a pas sifflé. Ça veut dire qu'il est là. Il est là. Je vais vers lui là. Je suis tétanisée. Hein. Je sais même pas. C'est pas là, hein. C'est pas là que je dois aller. Parce que je devais... Il y a un endroit où je dois aller encore, en bas. Il y a pas un autre passage. J'ai entendu des pieds. C'est moi. Oh.
Oh là là, et je suis en sueur, je vous jure, je suis en sueur. Mes mains sont toutes moites. Molles, je sais plus. C'est pour ça qu'en fait... Ok, ok, c'est de l'autre côté en fait que je dois aller. Coup de duc. Il est là, il est là. C'est là, je crois, non ? Je dois aller. Ah, c'est là, c'est là. C'est mon futur mari, les gars. C'est comme ça que je vais chercher un mari plus tard. Je vais siffler dans la rue. Comme les mecs ils font finalement. Pas une nouveauté hein. Ok, je dois aller à droite là. Ok, ça va. Je vais resiffler. Il est à côté hein. Oh Seigneur, j'étais passé par là tout à l'heure. On voyait. On était passé par tous ces gens là. Oh, c'est horrible. Attendez, il y a un truc là. Ah, je vais pas l'ouvrir avec ma main. Mais j'ai un objet en plus. Ah non, faut peut-être un tournevis. Ok. Oh, bah attendez. Ça sonne. Ah, le grand trésor. C'est immense, c'est un truc de fou. Quand j'espère qu'il one-shot pas, les gars. Parce que moi, attendez, c'est trop grand, c'est trop grand. Regardez, il y a un autre passage là. Vraiment tu vois comment ça, attendez, il y avait pas, ah là je voulais aller là. Kunoi, j'ai l'impression que je vais vers lui là. Ah, j'ai cru que c'était lui. Ok les gars, je pense qu'il faut aller. Oh, c'est quoi ça, il manque quelque chose. Ah, il nous faut des... Comment ça s'appelle hein? Des trucs, des photos là. Vous savez, pour le projecteur. Ok, d'accord. Donc les gars, objectif, trouver des photos. Des diapos, ouais, c'est ça. Merci. Des diapos. Pour regarder quelque chose. Il est à côté, hein? Non, ça va. Ok. Quoi? Attendez. Il est tue... Il est... Il fait pas que juste les tuer. Il a tué la plupart d'entre nous, mais pas seulement. Il a marqué certains d'entre nous. Une paire de vieilles pièces de monnaie placées sur les yeux. La pièce qu'on a récupérée tout à l'heure, il y en a 7 à récupérer. Après un certain temps, le corps recommence à bouger. Je n'ai pas vu ce qui se passe ensuite, mais je l'ai entendu. Les os se tordent, la chair se déchire, et puis silence. Le corps a disparu après cela, en grande partie. En vrai, le jeu est excellent pour l'instant. Je comprends. Ah, Seigneur. C'est chaud. Là. Il va pas ouvrir quand même, hein. Eh, hey, il y a plus personne dans ton bateau normalement. Il est gigantesque. Il n'y en a qu'un, je crois, de tueurs. Hein. Et en fait, je suis trop deg parce que je viens de le déclencher. En fait, je pense que vraiment, il se déclenchait ici. Et j'aurais voulu quand même revoir aux alentours avant qu'il se déclenche. Bah ouais. Attendez, et si je siffle, je suis repérée ou pas? J'ai l'impression qu'il venait vers moi là. J'ai l'impression...
Non. En fait, je sais pas si je siffle, je suis repérée. On sait pas, hein. Ah, je préfère pas savoir, hein. Enfin, pas savoir où il est, hein. Ici, on n'a pas été. Il n'y a pas une pièce à donner, lui. Oh, on a une diapo. On a l'heure. Ils se sont tous arrêtés au même. Attends. Ils se sont tous arrêtés au même moment. À la même heure. On a encore un code. Faut chercher les horloges, les gars. J'ai peur, la musique, j'ai trop peur. Je peux pas me cacher. Je peux pas me cacher ici en plus. Ok les gars, il faut trouver un code au niveau des horloges. Là, est-ce qu'on a un truc? Je pouvais pas l'apprendre ça? Non? Non, c'est impossible de voir. Ok. Ouais, ça serait cool, tu vois. Non, j'entends les bruits de pas. Ah ok, bon ça va alors. Ah bon ça va alors. Si j'entends les bruits de pas, moi ça me va. Hein. J'avais peur qu'on n'entende pas trop, tu vois. Que ce soit comme un fantôme. Faut, écoute, faut ouvrir ses grosses oreilles, quoi. Ok, il n'y a toujours pas de... Il n'y a pas de... d'horloge, là. Hein. J'ai rien vu, moi. Non, je vais péter un plomb. J'ai peur. Non, ça fait peur. Ça fait trop peur. Je peux pas jouer à ce genre de jeu. Oh, il y a là-bas aussi, je dois regarder. Ma tête, elle doit être partout. Il n'y a pas une horloge ici? Attendez, on va voir s'il y a une horloge là-bas. Non, il n'y a pas d'horloge. Mais là, il y a un côté alors. Ah non, quoi, attends. J'ai trop peur. Je suis tétanisée, les gars. Je suis désolée. Hein. Je suis peut-être ça. En fait, c'est désagréable des fois. De regarder des gens jouer à des jeux d'horreur et vous savez, vous avez pas peur et eux ils ont trop peur, ils avancent pas, t'as juste envie qu'ils avancent, mais je vous jure, ça fait trop peur. Je le sais, hein. Moi des fois je regarde mes rediffs quand je fais des VOD et je vous jure, je me trouve insupportable avoir peur d'avancer. Ok, attendez, respiration, respiration, horloge, horloge. 11 11 35. Où est mon globine? Respiration. 11 35, les gars, le code c'est 11 35. Donc on a le code, il faut repartir. Par contre on voit rien là. Mais les gars, on voit rien du tout là. Onze trente-cinq. Donc là si je sors, il peut être là quoi. Non, j'ai pas éteint ma lampe. Non, non, non. Regardez, ma lampe, elle est là. Quand je me cache, j'ai pas de lumière. Oh, une pièce. Ok. 2. 11h35. Ok, 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 ok. Oh, c'est bon. Il est à côté. Et il est à côté. Sueur. Il va être là, j'ai peur. C'est pas possible que j'y arrive aussi vite, non? Pas aussi simple, non. J'ai entendu là, je cours. Imagine, je cours, il est là. Ok. C'est pas ça. Ok, ok. 11. Oh, let's go. On a quoi? Un tournevis pour la cage.
Le tournevis pour la cage, les gars. Qui était juste au couloir à côté. Couloir juste ici. Bizarre, on le voit pas, hein. C'est encore plus stressant de pas le voir, en vrai. Oh, maman, j'ai trop peur. Il est là, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Oh my god, vous l'avez vu? J'ai vite fait. Alors, fallait le voir, hein. Fallait le voir, hein. Franchement, fallait le voir parce que j'ai attendu qu'il... Je vois un pied, je suis partie en courant. Non, vraiment, j'ai vu un pied, j'ai vu une grande cape et j'ai dit bon, c'est bon, ça me suffit. Parce qu'en fait, je sais pas sa vitesse, les gars. Là, t'as une vitesse de pointe. Mbappé, quoi. T'es en 2 secondes, comme le jeu auquel on a joué mercredi. Mercredi, on a joué un jeu, les gars. Le monstre, il était. En fait, dès qu'il me captait, il se téléportait, en fait, il me tuait. Donc, c'était one shot dès que je me faisais repérer. Et les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas rechargé. Là, je peux pas siffler dedans. J'aurais dû attendre voir où il va aller en vrille. Parce que là, je suis dans le caca, je me peut-être. En vrai, j'aurais pas dû me cacher. De ce qu'il y a du bruit. Attendez. Ok, on sort. En vrai, il faudrait l'affronter un jour. On est obligé de l'affronter un jour. On sort. Le fait de sortir de dos, c'est, ça me fait trop peur. Alors de face à la... En gros, les gars, il faut que j'aille en face. On aurait dû sauvegarder, non? Oh, les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. Hein. J'aurais dû sauvegarder avant. Ah, oh, mais attends, si je mets pas dedans, j'aurais pu mourir là. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Pause. Pause. Est-ce que je tente d'aller sauvegarder? Parce qu'en vrai, là, on a quand même fait la porte. Enfin, on a fait plein de trucs là. Si tu sais où, pourquoi pas? En vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Parce que là... Est-ce qu'on a une autre sauvegarde en bas? Pas... En fait, moi, la seule sauvegarde que je connais, c'est celle au tout début. Non, il n'y a pas de sauvegarde auto, je pense. Hein. Non, 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 non. Moi, celle que je connais, c'est celle au tout début où on a cassé la porte avec les planches. Et je sais qu'il y en a une autre, mais je sais pas où elle est. Ouais, ça se trouve, je vais faire une sauvegarde, c'est vrai. Vas-y, vas-y. Pas du tout. Oh, oh, oh. C'est un couloir, ça? On est obligé d'y aller de toute façon. Ok. Ah, j'ai pas de sauvegarde, hein. Nos sauvegardes au sang. Oh. Un croissant. Désolée, mais moi je récupère un truc tout à l'heure, j'ai récupéré un truc, je me suis cachée tout de suite, il est arrivé. Donc les gars, là, on a récupéré les diapositives, il faut repartir. Faut reprendre le... Reprendre le conduit. Repartir à gauche. En gros, on sort du conduit, on va à gauche et on va en face ou à droite. Et je peux sortir en vrai. Ok, bon. Comme ça, on met les diapositives. Il y a un papier là. Coucou Matsu! Comment tu vas? On souffre, je souffre. L'équipage et moi avons pu en avoir un peu plus. Avons pu en savoir un peu plus sur notre mystérieux passager. Oh! Il y a un mystérieux passager, les gars. Son nom est Erin Hayes, docteur en archéologie. Il s'avère qu'il a du frais en soute.
Mais je n'ai pas encore pu savoir de quoi il s'agit. Les gars, je sais c'est quoi. Les gars, coucou William. Les gars, je sais c'est quoi. Oh my god! Il peut passer par là? Désolée, j'écris comme une folle. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Attends, vaut mieux ouvrir cette porte-là, non? Comme ça, on a plusieurs passages. Bah, c'est mieux d'ouvrir cette porte-là, les gars. Mais j'ai pas confiance. Je préfère prendre le conduit. Coucou, Mikak. Franchement, les gars, je préfère le conduit, hein, vraiment. Le conduit, pour moi, c'est mieux, hein. Enfin, après, non, je pense pas. En fait, je sais pas. Attendez. Il est à côté. En tout cas, si je meurs, faudra tout refaire, hein. Le code, reprendre la lune, reprendre les... Oh là là. Projecteur, il y a quoi qui s'y passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Ok, quoi d'autre? Je peux me cacher là? Pas du tout. On en a combien là? 3? Ils nous mettent 3 zones. Je comprends pas. Ils nous montrent des meubles. Yuri. Ah, peut-être il y a un truc derrière le meuble. Un passage derrière le meuble, peut-être. Alors, la salle là, je la reconnais pas, les gars. Bon, je la reconnais pas du tout. Hein. Est-ce que vous la reconnaissez? Il y a une casette, un meuble jaune en bas. Et apparemment, pour moi, c'est derrière. Il y a un passage. Mais attendez, on a un croissant. Et là, faut trouver la sauvegarde. Hein. Ah salopard, il m'a fait peur. Je suis tétanisée, moi. Ce jeu, il me rend folle. Vous l'avez vu? Pas la seule, hein. Donc déjà, c'est pas ici. C'est pas ici. Vitesse de pointe. Arrêtez, les gars. Faut m'aider, hein. Les gars, faut m'aider. Le jeu, il est trop dangereux. Trop dangereux. Google la mienne. Non, le jeu, il est excellent, les gars. Franchement, le jeu, il est vraiment excellent. Je suis tétanisée. Il est incroyable. Le jeu, il est incroyable, hein. Les gars, faut sauvegarder. Faut sauvegarder, les gars. On doit sauvegarder. On doit sauvegarder, les gars. Il faut, là. Elle est juste là, la sauvegarde. Elle est juste là, la sauvegarde. C'est bon, je peux mourir, je me sens mieux là. Ok, les gars, on a quoi là? Faut trouver la salle. Hein. Les gars, faut trouver la salle. Hein. Faut vraiment impérativement trouver la salle. Hein. Je crois que ça doit être par là. Hein. On va voir c'est quoi. Hein. Hello, guys. Don't kill me. C'est là. C'est là, incroyable. Franchement, pour l'instant, on se débrouille vraiment bien. Ça nous ouvre le coffre et on a le soleil. Attendez, parce que là, c'est bizarre qu'on fasse tout ça, qu'il nous donne ça, tout ça facilement, quoi. Ok, le coffre-phare, il était dans quelle pièce? Je clivais pour rien. Pourquoi? Il y a un time. Il y a un... Ah, faudrait que j'enlève, les gars, là. Pourquoi? Attendez. Je peux pas clipper? Il est juste à côté de toi? Mais arrêtez, Lucifer. Arrête, Lucifer, tu fais peur. C'est rien, les gars, vaut mieux des doublons que... Ouais, il a raison. Hop, les gars. Je
Franchement, je préfère avoir. Et des fois, c'est pas les mêmes clips. Parce que des fois, je préfère avoir des clips où il y a plus de choses au début pour comprendre le contexte que juste moi quand je crie, quoi. Tu vois. Bon, franchement, des fois, vous faites les mêmes clips, mais ils sont pas pareils, vraiment. Mais c'est juste à côté. Mais il est juste à côté. Et moi, j'ai. Les gars, on a quoi? Un croissant, une lune. C'était pour une porte. Je sais qu'il se trouvait à côté de la télé. Mais est-ce que j'ai tout? Il manquerait pas un truc croissant, lune, soleil? Non, on a un croissant. Non, croissant et lune, c'est pareil, je suis con. On a un croissant, un soleil. Il nous manquerait quoi? Croissant, soleil, c'est tout? Juste deux trucs. Ouais, c'est vrai, hémoglobine, j'ai pensé à ça tout à l'heure. On a sauvegardé, je m'en fous maintenant de mourir. Ouais, c'était vraiment la peur de mourir. Parce que j'avais peur de tout devoir refaire. Après, Quoi? Attends, mais vas-y, ça me terrorise là. Mon feu, elle a fait du bruit en plus, j'ai eu trop peur. DLC. C'est fait exprès. Je pensais que j'étais vraiment. J'avais eu un mauvais timing. Oh my god, j'ai trop peur. Je ne vois. Oh là 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 là. S'il te plaît, mon cœur. Pardon. S'il te plaît. Ah, c'est. Oh, j'ai fait trop peur. J'ai un point de côté. J'ai un point de côté, les gars. J'ai un point de côté. Je vous jure, c'est vrai. J'ai un point de côté. Oh, ils sont. Ah, d'accord. Ça faisait des années, j'avais pas eu un point de côté. Wow, il est. C'est incroyable, c'est Mister X, les gars. Vraiment. On va manger pour enlever le point de côté. Astuce, pas du tout. C'est ça, poubelle. C'est ça, poubelle, les gars. Mais franchement, le jeu, il est. Vous avez dit que ce soir c'était un bon jeu. Et. Franchement, pour l'instant, c'est un 10 sur 10. Hein. J'ai encore entendu du bruit, hein. Ah, des mouches. C'est quoi ce truc? Ah ok, d'accord, ok. Oh, sauvegarde. Seigneur, c'est bien ça. Let's go, on sauvegarde tout. Hop. Ah, il nous manque un fusible, les gars. Comme d'habitude, fusible dans le jeu d'horreur, c'est habituel, hein. On a l'habitude. Comment ça, nulos? Il est pas mal, c'est vrai. Bah, t'as trouvé l'équipage. Ouais, c'est ça, l'équipage, ouais. Comment ça, nulos, le jeu? Comment ça, pas mal les bzaises? Comment ça, pas mal les bzaises? Ok. D'ailleurs, elle commente trop bien, les gars. Vous savez, elle caste maintenant. L'e-sport, elle commente trop bien. Oh, j'aime trop regarder quand elle caste. Elle est excellente. Nous sommes tombés sur un banc de brouillard aujourd'hui. Il n'y avait aucune chance de le contourner. Nous avons donc dû naviguer tout droit. Quelque chose l'attend. Là-dedans me met mal à l'aise avec tout ce qui se passe à bord du navire. Cela semble être de mauvais augure. À
cause Valorant et tout, je vous jure, elle est trop forte, c'est loupiote. Genre vraiment, elle casse trop 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 bien. Ah, ok. Ok, c'est le verrouillé. Bah, je pense qu'on n'aura pas le choix de grimper, sauf que bah, on a rien. On a pas de chaise. Enfin, on a plein de trucs en vrai, mais... Attends, on peut pas ouvrir? Ok, les gars, c'est un escape game. Ou bien non, faut juste repartir en arrière, peut-être, en fait. Non, non, je crois pas. Hein. Oh, j'ai trop peur. En gros, alors pour ceux qui sont arrivés il y a pas longtemps, les gars, en gros, il y a un bateau qui était porté disparu en mer. On n'avait aucune trace de... aucune nouvelle d'eux. Vraiment rien du tout. Et j'ai traduit ça, je sais plus. Et nous, du coup, et y a, il est remonté de l'eau. Il est remonté de... Je sais plus parler, c'est trop grave. Comment on dit? Il a été submergé? J'ai plus. Ah, j'ai traduit, ok. Il a été... il est revenu à la surface, voilà. Il est revenu à la surface. Et nous, du coup, on est l'équipage. On est l'équipage. L'équipage, pas du tout. Je raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Vraiment, j'ai n'importe quoi. On est une équipe de sauvetage. Voilà, de sauveteurs. Et donc, on est venu en hélico. Genre, vraiment, belle scène et tout d'hélico. Et... Ouais, ça va. Hop, t'inquiète. Un signal de détresse émane du navire. Il va nous faire des phrases de fou. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un bateau, il est revenu à, voilà, à la surface et nous on y va quoi. Voilà, t'inquiétez pas. T'inquiète, hop. T'inquiète, t'es pas obligé de faire des phrases de fou. Oh là là. Oh bah attendez, non, là on venait d'y aller. Ouais, on nous envoie seul comme un bolos, les gars, je vous jure. On nous a envoyé seul, on était parti en hélico. On est descendu en hélico. En rappel et tout. On est bloqué là parce que faut se concentrer. Je suis plus concentrée avec vous, hein. C'est les nouveaux arrivants là. Et là ça s'est ouvert. Ah bah là, ok, bah voilà. Je t'ai sauté en fait. Fais pas la taille de. Ok, c'est bon. Enfin, deux personnes. Et du coup, Mika, quand on arrive et tout, on voit personne. Les gars, pas d'équipage, rien du tout. Au fur et à mesure, on commence à voir des statues qui commencent à bouger et tout. Et ensuite, là, on vient de découvrir du coup l'équipage tué dans la poubelle, là. Et les gars, faut pas oublier, moi je crois, je soupçonne. Ils nous ont parlé d'archéologue qui était dans le bateau. Et je pense que l'archéologue... C'est quoi ce bruit? Ok, c'est verrouillé ici, tant mieux. Oh, oh, c'est une énigme, j'aime trop. Les gars, je soupçonne l'archéologue d'avoir ramené... quelque chose dans le bateau. Et une malédiction, un truc comme ça. Oh, c'est facile. C'est facile, l'énigme est facile. Et en gros, c'est la merde, ouais. Et t'as un mec qui nous chasse. J'ai surveillé le docteur Hayes tout au long du voyage et il se comporte très étrangement. Il a tendance à éviter l'équipage et refuse de parler à qui que ce soit. Au lieu de cela, il passe généralement son temps à bricoler d'étranges engins. Il a installé des mécanismes de verrouillage de portes inhabituelles autour du navire. On ne peut même plus passer de l'atelier à la chaufferie maintenant et le capitaine ne fera rien. Trop bizarre. Oh, trop chelou. Donc je pense que l'énigme, c'est ça les gars, regardez. C'est les trucs sous... là. On a un truc bleu. Avec genre des oreilles, je sais pas quoi. Ouais, si je crie, c'est que c'est un bon jeu. J'avoue, en plus, c'est vrai. Ici, on a du rouge. Genre une vague, on va dire, ou un M, comme vous voulez. Et... On avait un truc violet là, non? Ah ouais, ça c'est un triangle. On a bleu, violet, rouge. Et là c'est un chandelier quoi. Bleu, violet, rouge. Est-ce que le code... Bleu, violet, rouge, vert. Alors le violet c'est celui-là, mais est-ce que dans l'ordre c'est ça? Le rouge, c'est le M. Non c'est ça. Il est où? Il est là. Le vert. Il est où? Enfin, le vert, c'était un C, hein. Il est là. Merde, bah, c'était un C. Et le bleu, c'était le truc, genre... la petite tête, là. C'était un peu trop facile, hein. Franchement, nous, on aime bien les énigmes difficiles. Et là, je suis déçue. Déçue.
J'ai pas envie de sortir en fait. À quel moment ça donne envie de sortir? Il y a un truc enfermé. Peut-être que c'est un équipage qui a encore envie. Hein. Un humain. Hein. Sûrement, les gars. C'est bloqué. Ok. Donc là, on est de l'autre côté. Tout à l'heure, on était là. Donc là, on peut descendre. Il y a quelqu'un qui est enfermé dedans. Et vu. Et peut-être un animal. Oh là là, doucement, monsieur. J'arrive, j'arrive. Pas des pièces quelque part? Attendez, les gars, avant d'ouvrir, je vais voir s'il n'y a pas des trucs là. Non. Ah, chier, je voulais pas ouvrir ça déjà. Je pensais qu'elle allait me dire non. Ah ok, ça va. Ça va, ok, ça nous emmène. Ah ok, c'est juste un passage. Ok, c'est juste un passage. Ok, ça va. Ah, ça m'emmène à la save. Attendez, je vais aller sauvegarder alors. La save, je sais plus aller où, elle est en haut. Ah ouais, elle est en haut, la save. Oh mais il peut être là, lui, non? Pas une sauvegarde ici? Ah, sur le carton, merde, c'était en bas. Ah bah je suis con, c'est juste en bas. Juste au pied de l'escalier, bah ouais. En fait, le jeu, il est très... comment on dit ça? Il est pas... c'est pas facile. C'est pas qu'il nous aide. J'arrive jamais à trouver ce mot-là. Ce mot-là, j'arrive jamais à trouver. Et du coup, c'est bien. Bonjour. Oh là 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 là, je joue pas. Ah ! Tu n'es pas infecté, n'est-ce pas ? Oui, intuitif, c'est ça, il est intuitif, du coup, c'est bien. Est-ce que tu... Je t'aiderai seulement si tu m'aides. Il y a un... C'est quoi ce shipping, les gars ? Oh là là, infecté, vous avez vu, il nous a parlé d'être infecté ou pas. Ok, c'est marrant, ça fait penser à Resident Evil. D'accord, mais attendez, du coup, on va passer par là. Hein. Ah, peut-être l'archéologue, c'est vrai. Ok, là, on a déjà été ici ou pas, je sais plus. Hein. Enfin, j'ai l'impression que des fois... Bah après c'est un bateau donc tout se ressemble. Ouais, on a jamais... il a bougé lui là. Il était pas si proche que ça hein. Ah ouais, t'es pas... Bouge pas toi. T'as bougé encore? Non? Non, j'étais pas là. Attendez, on va lire alors. Alors... Il demande le document qui reprend la liste des marchandises transportées. Ouais, donc c'est sûr. Ah non, c'était pas l'archéologue alors. Il doit savoir s'il y a un truc bizarre. Nous naviguons dans le brouillard depuis une journée entière. Maintenant, il ne montre aucun signe de dissipation. C'est assez désorientant. Le brouillard est si épais qu'on ne peut même pas savoir si c'est le jour ou la nuit. Cela semble dire que l'équipage du poste principal est affecté assez mal. Le capitaine a ordonné que le temps passé sous le pont principal soit limité aux travaux nécessaires. Oh là là. Ah, le manifeste d'expédition, ok, d'accord. Donc, manifeste d'expédition, ça veut dire les gens. Hein. Ça veut dire les gens, les gars, le manifeste. Hein. C'est pas forcément... Pas forcément ce qu'il y a comme... Ouais, le bug, il a bougé. Pas forcément les gens, enfin, les marchandises, quoi. Parce que là, en théorie, genre, si vraiment l'archéologue, il a ramené un truc bizarre, une... Ah, il y avait une bête, en plus, hein. Don't move. Oh, 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 ça sert à quoi? Alors ça, c'est bizarre. On l'a avant de savoir ça sert à quoi. D'accord. Enfin, on sait à quoi ça va servir, mais où? Lui, il me bloque le passage. Il fait chier. Encore, on repart. Le type, il a disparu tranquille. Les gars, maintenant, il n'y a plus rien qui me choque dans le jeu. Hein. Ah, il y a un passage à droite, non? Non, pas du tout. Attendez, peut-être là-haut. Ah si, hein. Ah non, on repart. Je sais pas les gars, je suis poursuivi par... un mec, on dirait Bioshock.
parle trop vite. Les gars, je suis en stress. Je parle trop vite, les gars. Je parle vite parce que je suis en stress. Vous comprenez pas ou quoi? Je suis poursuivie par un malade mental avec des statues qui disparaissent, qui me... Je suis obligée de siffler pour savoir s'il est là. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Mon seul moyen de survivre, c'est de siffler. Et si, et les gars, je sais pas siffler. Donc je serais morte en fait dans la vraie vie. Oh, mais les gars, je vous jure, je sais pas siffler. Je sais pas. Je sais... Attendez. C'est tout. En fait, moi, j'aspire mon âme quand je siffle. Je sais pas siffler autrement que de prendre tout mon oxygène dans mes poumons. Ah, moi aussi, je sais siffler qu'en respirant. Ah, il manque un tuyau. En fait, on est venu pour réparer le bateau, c'est ça, hein? Vraiment. Une pièce, une clé, une clé. Ah ! Désolée. Il fait chaud là dans cette pièce. Rigoler. Attendez, non, 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 j'y crois pas que tout le monde s'est sifflé. Attendez, attends. On va faire un référendum. Paul, poule. Qui s'est sifflé? Attendez, vous savez siffler? Oui, non. Je vous jure qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas. C'est comme nager, il y a des gens qui savent pas nager. Plus qu'on. Ça va. Il m'a agressé. Ah voilà. Ah oui. Et comment qu'il s'est pas sifflé là? On est que deux. On est que deux à pas savoir siffler. On est deux. Coucou Léo. Mais c'est pas possible, genre on est deux là. C'est pas possible. Bah en gros, est-ce que vous savez siffler? Oui ou non? Un c'est oui et non c'est... et c'est deux. Les gars, je vais faire un cours. Hein. Je vais apprendre à siffler un jour. En plus, franchement, ça peut vraiment vous sauver la vie, hein, pas du tout. Alors, les choses vont mal. Ça fait maintenant 2 jours que nous naviguons dans le brouillard. J'ai déjà lu ça. Lino, concentre-toi, s'il te plaît. Ok, les gars, on a une security room. Ok, une clé de la security room. Ça, c'est bien. Je vous jure que... Mais c'est trop grave, je pense. C'est vraiment... On est 3, on est 4. On est 4, les gars. On est 4 à pas savoir siffler. Et franchement... Il y avait quelqu'un, là. Non, mais j'en ai marre, moi. Ma mère, elle m'a dit arrête d'hurler. Ok, il est 22h40. En plus, j'hurle pas, je trouve que ça va, non? Franchement. Moi, je trouve que... Je crie de moins en moins fort. Hein. Est-ce que moi, je peux repartir par là pour... voir la sécurité? Enfin, je sais même pas où aller. Hein. Les gars, je ne sais même pas où aller, la security room. On a vu? Non, je crie, mais hurler, les gars. Hurler, c'est... Hurler à la mort. Moi, je crie, j'hurle pas, quand même. Vas-y. Attendez, ah non. Attends, mais je sais pas, c'est où, les gars, hein. Security room. Venez, on va sauvegarder, déjà. Sauvegarde, hop. Peut-être que c'est là-haut, non? Ah, ça doit être pas... Peut-être qu'il faut repartir. J'avoue, des fois, je hurle. En fait, je pense que parce que... En vrai, j'avoue, c'est possible. Parce que vous êtes pas chez moi. Imaginez, vous êtes chez vous. Imaginez, vous êtes chez vous, dans votre salon, et vous m'entendez crier. Alors, vous regardez juste Netflix. En vrai, je comprends ma mère. Mais ça va, c'est rien. Je passais devant tout à l'heure. Ok. Au-dessus de nous. Le mec. Ah, au-dessus. Genre, imaginez, vous êtes là, votre fille, elle hurle. Elle hurle comme si. On était en train de. Je sais pas, de. Il faut que j'enlève le.
le message parce que sinon il va spam 50 millions de fois. Qu'on va pas. Ah oh, je peux pas, vas-y, je peux pas, maman, ne pas crier. Je peux pas, maman, je peux pas. Tu vois, je peux pas agresser par des mannequins. Comprends-moi. Sinon, on regarde pas le live. Ok, je concentre. Mais ils sont actifs tout à l'heure, ils nous ont laissé trop. Ah, c'est là. Non, c'est pas là. C'est là. Security. Ok, let's go. C'est ici, les gars. Donc, il y a quoi? Non, mais arrête. Non, je supporte plus. Franchement, eux, je les supporte. Ah et on se fait. Je suis une victime. Je suis vraiment une victime, là. Farcelé. Ok. Security room. Ok. Là, il y a quoi? Ok, il faut lui donner ça, là. Et là, c'est écrit quoi? Il y a quelque chose de bizarre dans le cargo hold 2. J'ai inspecté la machinerie. J'ai entendu des bruits bizarres qui sortaient du conteneur. J'ai essayé de... Enfin, j'ai regardé un peu ce que c'était. Mais l'inspecteur m'a arrêté. Il m'a dit qu'il regarderait lui-même. Oh là là. Attendez, mais me dis pas qu'ils ont enfermé un type dedans. Après, le type, il aurait pu parler. Là, il peut parler. Donc, je trouve ça bizarre un peu. Donc, peut-être c'est vraiment une créature qu'ils ont enfermée dans un conteneur. Et un conteneur ou un conteneur? Conteneur. Hein. Conteneur. Conteneur. Oh, oh, il n'est plus là. Je t'ai vu bouger, toi. Arrête. Il est plus là. Un mot. Infusible. Et il a bougé encore. Et oh, c'est trop grave. Ah, oh, ça, je sais, le fusible, les gars. Ok, ça, je sais. Oh là là. Attention, attention. Ok, ça va. Vite. Putain, il s'est barré. Je suis choquée. Oh, on va sauvegarder. Il s'est fait bouffer. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a du sang. Ah ouais, mais oui. Peut-être le fait de faire du bruit ou... Ah non, il va venir encore. Ça aurait fait trop peur qu'il descende des escaliers, là. Oh non. C'est quoi cet ascenseur? C'est quoi cet ascenseur? Ça aurait été vraiment stylé, mais ça aurait été un peu... Enfin, c'est déjà vu, quoi. Ok. Ah oui, imagine, il était dans l'ascenseur. Attendez, mais on va le voir passer, tout là. Oh, imaginez, on se regarde. Ah non, c'est ici, il faut descendre. Ah, je crois qu'il était pas là. Ok. Oh, c'est bizarre cet endroit-là. C'est un peu moins clodo, on dirait Titanic. Genre les clodos en bas et de moins en moins clodo, plus tu montes. Ok, là, c'est verrouillé. Ok, et j'aime bien ici. Il est partout, lui. Ok, y a rien ici. Là, je l'entends plus. Oh, c'est bon, arrêtez, hein. Oh, ça va, il bouge pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On va pas aller là. J'ai peur. J'ai trop peur. C'est... On va être claustrophobe, hein. Ouais, c'est plus étroit. Oh, carrément plus étroit, les gars. Il y a que ça, en fait. Il avait dit quoi, les gars? Il avait dit qu'il est tué, qu'il leur mettait des pieds sur les yeux et qu'ensuite, ils revivaient. Mais genre, c'était pas eux-mêmes. Coucou, Charline. J'ai trop peur. On va le suivre. Hein. Non? Le suivre ou pas? Oh, le jeu, il est terrifiant. C'est verrouillé. Il revit, mais d'abord, leurs os se tordaient.
Hop, c'est... non, rien. Hop, j'ai l'impression qu'il est... Tu sais, les gens qui te lisent des histoires. Hop, il dit comme ça. Il a réécrit la même phrase que le mot qu'on a écrit. Ils revivaient, mais d'abord leurs os se tordaient et leur chair s'arrachait. Mais non, mais je me fous, c'est bon, je taquine. Oh non, parce que... Ah, c'est là. Non, c'est de là où je venais. Je venais de là, moi. Mais il y a quoi à faire, là je... Attendez, il y a un endroit où j'ai loupé. Parce que j'ai suivi l'autre. C'est ici, je l'ai suivi, moi, à gauche. Qu'on va aller là. Pourquoi mon... Ah, c'est... je crois que c'était mon cœur qui battait vite. Ok, les gars, j'ai besoin d'électricité pour ouvrir la porte. Ok, ça va. Ça veut dire qu'il est, il est pas là, hein, si ça siffle. Hein. Bon, attendez, les gars, parce que franchement, là, je sais pas quoi faire. Hein. Oh, il est parti, lui. Il n'y a pas des trucs à mettre en d'allumer, là? Enfin, d'allumer. Doucement, doucement. J'ai pas peur. En vrai, là, je me dis, il peut pas venir. Je vois, c'est trop étroit pour lui. C'est le jeu, ils ont eu trop des difficultés pour le modéliser dans cet endroit-là. Donc là, je me dis, c'est impossible qu'il soit ici, vraiment. À moins qu'il rétrécit. Il devient tout petit. Et c'est où, là? Là, je peux pas. Après, il regarde là-haut. Peut-être que c'est un signe. Non, franchement, je pense pas. Peut-être qu'il faut regarder là-haut. Non, ça n'a aucun sens. Il regarde pas là parce que, enfin... Ah, faut suivre le câble peut-être. Ah, le câble. Le câble, si, si, c'est ça. Regardez. Si, si. Il y a des câbles électriques. Ça, de là où je venais. Là, c'est fait rouiller aussi. Ok, là, c'est la sauvegarde. Je dois repartir ou... Non, je peux pas repartir, donc c'est bien là. Pendant, on va suivre le câble électrique alors. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, non? Attends, mais là, j'ai pas été, je crois. Si, j'ai été, si, 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 y'avait rien. Ok, on suit les câbles. Hein? Après, y'en a partout? Ah non, non, regardez, y'en a pas partout. Ok, là, y'a un câble. Câble. Là, y'en a plus. Là, y'en a plus, on est d'accord? Non, qui est pas si, non, là. C'est pas ça, en fait. Arrêtez! Peut-être il faut lui taper dans les mains, j'en sais pas. Là. Là. Là, si, regardez. Ah non, c'est pas ça. Ok, alors, on est bloqué. Y a un générateur ici, il fonctionne pas. Il y a une porte, là, non? Ah non, pas du tout. Bah, attendez, c'est pas possible, j'ai loupé un truc. Personne pour m'aider, hein. Ah non, non, non. C'est en stage de 3ème, là. Hein. C'est pas possible. On est... Enfin voilà, il fallait être bloqué. Dans le pire endroit en plus. Il regarde en l'air. Et puis là, c'est bizarre. Oh, d'avoir un panneau, c'est sûr. Un truc que j'ai loupé. Là, non. Là non plus. Là, il y a un câble, mais ça ne sert à rien. Là aussi. Je comprends pas. On est bloqué. On est bloqué. J'ai loupé une clé? C'est impossible. Mais là, vous êtes en stage d'observation, je vous jure. Bon, après, j'avoue, moi, franchement, si, même si je regardais, j'aurais pas pu savoir. Oh, peut-être qu'il y a un truc dans la main d'une statue. C'est vrai, ça. Aether, incroyable. Alors, si c'est ça, Aether, je t'offre un kebab à vie. Au kebab où tu veux. Éclaté. Non, en vrai, c'est trop bien. Attends, mais en vrai, je suis quasi sûre que c'est pas ça. Hein. Parce que je l'aurais vu quand même. Je rigole, je vais pas payer un kebab à vie. Hein. C'est pas bon pour les gars, la santé. Oh, les kebabs, doucement. Hein. J'ai déjà payé un Burger King à un abonné, je sais plus c'est qui. Peut-être qu'il vient même plus sur les streams en plus. Je sais plus pourquoi. Les gars, c'est pas possible. Y a rien. Attendez, là, c'est bizarre. Pourquoi y a rien, là? Coucou, moustique.
Oh là là, c'était là. C'était ici. C'est bon, Heather, en fait, t'auras pas de kebab. C'est bon, let's go. Et ouais. Désolé, Heather, hein. J'espère que tu mangeras bien quand même. Cela fait des jours que nous essayons de remettre les moteurs en marche sans succès. Certains membres de l'équipage commencent à être découragés. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont également adopté le passe-temps exaspérant du docteur qui consiste à construire des engins aléatoires. Hein? J'ai pas sifflé, hein? Je vous jure, j'ai pas sifflé. Il siffle même quand je demande pas. Non mais attends, il manquerait plus que ça, là. C'est encore plus flippant. C'est là. Ah, désolé. Maman, désolé. J'ai encore crié. J'ai quoi, là? C'est quoi, ce truc? Oh, cinématique. Cinématique. Les gars, j'ai une glace à Gundas. Attends, mais... Oh non, 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 oh non. Les gars, j'ai une glace à Gundas de fou pour le stream, pour le film après qu'on va regarder ensemble. Mais tout à l'heure, ma mère, elle m'a demandé s'il y avait de la glace dans le frigo. J'ai dit ouais. Donc je suis sûre qu'il est déjà plus là. Le pot, il n'existe déjà plus. Oh, il manque une pièce. Ah, mince, il faut déjà... Ouais. Non, c'est Haagen-Dazs. Ouais, et c'est le goût, c'est chocolat, dark chocolat, caramel, croquant, je sais plus quoi. Qu'il faut récupérer ça. Cargo Holder Control, ok. Par contre, là... Safety... Ok. Ben attention là, ça commence à... Ok, c'est pas par ici. Là, ça a sifflé tout seul. Hein. Coucou Zeddy. On a une clé. Oh, la clé, ok. Toujours aussi peur, hein. Franchement, ça change pas. Hein. C'est pas pour ça. Non, c'est pas pour une clé, c'est pas une porte pour une clé, ça. Qu'on peut redescendre ou pas? Non. Mais c'est pour une porte qui se trouve ici qui est fermée alors. Donc ça doit être par là. Par contre, vraiment, je suis persuadée qu'on peut pas mourir. Ça, c'est pas bien. Que du coup, je fais plus attention. Hein. Enfin, je siffle de temps en temps, mais. Puis là, y a pas de porte là. Hein. Non, c'est pas là, bah ouais. Ouais, j'ai la clé du storage. Je trouvais la porte, mais après, c'est pas des portes comme ça aussi. Ouais, je dis, c'est normal, c'est le nouveau programme de Twitch. Ah, c'est pour ça, c'est bon, c'est ça. Les gars, c'est normal, les pubs, c'est le... Désolé, les gars. C'est automatique, je les lance pas. C'est le programme de Twitch. Et encore, j'ai mis le plus petit, les gars. Les gars, j'ai mis le plus petit. Vraiment. Vous savez que, genre, en gros, tu choisis combien. Et là, moi, j'ai mis le plus petit, c'est 3 minutes. Après, tu peux mettre vraiment... Il y a des streamers, les gars, ils mettent, genre... Genre ils mettent 4 pubs 30 secondes, ça abuse quand même. 4 pubs 30 secondes. 4 pubs de 30 secondes, Zeddy. Alors ça veut dire que t'as pas eu de pub depuis longtemps. Peut-être. Je crois que c'est ça, 2 minutes. T'as pas eu de pub depuis longtemps, je pense. Je sais pas. Ouais, ça affiche le stream en petit normalement. À droite, ça dépend, oui. Il y a rien là. Des chaussures. Un casque et des chaussures. Ok, on a quoi là? Des chaussures. Oh, trop bien, j'ai hâte de faire l'énigme. Trop bien. Ah, si c'est... Ah bah non, je dis, c'est pas les pubs... C'est pas ça. Ça, c'est les pubs de Twitch, genre en gros... C'est quand t'arrives, c'est des pré-live, hein, ouais. Nous avons reçu aujourd'hui un signal radio d'une équipe de secours. Nous avons essayé de répondre et leur faire part de notre situation, mais nous n'avons pas pu transmettre le message. Il n'y avait aucune trace de l'hélicoptère dans le brouillard. Au bout d'un moment, nous avons entendu l'équipe de secours dire qu'elle ne voyait aucun signe du navire, qu'elle commençait à fouiller dans une autre zone. Bizarrement, ils disaient avoir une vue dégagée jusqu'à l'horizon. Donc c'est bien un bateau fantôme, il n'était pas vu. Depuis, la radio est restée silencieuse. Je me sens malade. Notre seul espoir maintenant est de faire fonctionner les moteurs. Oui, les gars, ça fait de l'argent, les pubs. Ouais, ouais, ouais. En fait, maintenant, Twitch, en gros... Comment dire ça? Pour eux, les subs, ça leur rapporte moins, en fait, que les pubs.
Donc ils ont envie que qu'il y ait plus de pubs sur Twitch. Ouais. Mais d'un côté, je me dis c'est pas très grave parce que si t'as... Les gars, je fais 7 heures de live. Si t'as genre une fois 4 pubs de 30 secondes, je trouve franchement ça va. 2 minutes de pub pour 7 heures de live. Franchement, je trouve que ça va quand même. C'est pas abusé quoi. Et au moins, bah, vous, même quand vous pouvez pas vous sub, au moins vous savez que bah, vous soutenez quand même la chaîne. Vous savez que je perçois quand même de l'argent avec les pubs. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est des centimes. Hein. Mais c'est mieux que rien, quoi. C'était où ? Oh, arrêtez ! Ah ouais, je dis ça, c'est horrible. Ouais, j'avoue. J'avoue, le timing, en fait, c'est ça, en fait. C'est le timing qui peut être chiant. Je comprends. Ok, attendez, je sais où je dois aller. Non, en vrai, les gars, pour les gros streamers, c'est trop bien de faire des pubs. Mais pour les moyens, c'est pas vraiment... Franchement, c'est... Genre, en fait, ça donne pas envie, tu vois, quand tu arrives et tu vois... En fait, quand tu connais pas le streamer et que t'arrives, t'as 4 pubs, t'as pas envie de rester. Alors que quand tu connais déjà bien le streamer, tu sais... Enfin, quand, c'est... quand le streamer est connu, tu sais à quoi t'attendre, donc tu vas rester. Ah, j'ai eu désolé. J'ai oublié qu'il était là. Ok, donc là, je dois faire quoi, là? Il a bougé, lui? Ah non. Ah non, c'est le bruit de ça, ok. Moustique-by-rang-gifted oui, à sub to the D. This is their first gift sub in the channel. Zeddy, c'est trop gentil, Moustique. Merci beaucoup, c'est super généreux. Merci, franchement, je trouve ça incroyable, Twitch, les gars. D'offrir des abonnements à des gens que vous connaissez. Franchement, c'est incroyable, Twitch. Hein. Tu offres des abonnements à des gens que tu connais pas forcément, juste parce que tu sais qu'ils font partie de la communauté. Je trouve ça... Ah, ok, c'est comme ça. C'est trop bien. Ok, alors... Oh, parce que déjà, de base, il doit arriver où? Ah, il doit arriver là. On va commencer plutôt vers le bas, alors. Tac, tac. Tac. Tac, tac, tac. Tac. En vrai, on va le mettre comme ça. Lui, il est obligé d'être comme ça. Et lui, on peut le bouger? Ah ouais, lui, on peut le bouger. J'aurais dû... Il faut le ramener jusqu'à où, en fait? Ah, le ramener jusqu'à là. Ah. Ah, bah attends, comme ça, en vrai, ça peut fonctionner comme ça. Genre là, tac, tac, tac. Comme ça. Ça. Non, là, en fait, plus, on va le faire comme ça. C'est fait ça. Ah, oh, mais lui, il peut pas tourner. C'est ça qui est chiant. Oh là là. On va plutôt le faire comme ça, alors. Et lui, j'ai oublié de le faire tourner comme ça. Comme ça. Lui, comme ça, il repasse là. Ah, oh, mais là, après, il est de face. C'est ça qui est chiant. Oh, ça va être trop chiant. Attendez, je réfléchis. Énigme. Enfin, énigme. Là, si je le fais passer comme ça, j'ai oublié de le mettre là. J'ai oublié de continuer. Ah, comme ça. Faut que je fasse tout le tour. Genre comme ça. Comme ça. Ça et ça. Ok, ok, ok. Bouge pas, toi. C'est bon, on a mis l'électricité, les gars. Let's go. On appelle. Attendez, on a ouvert. Du coup, c'est à droite. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, il va y avoir personne, là. J'espère. Oh my god. Oulala, oulala, oulala. Oh, attendez, énigme, c'est quoi? C'est une énigme? Je dois mourir? Je dois respirer? Je sais pas quoi. Oh non, l'angoisse. Là, je suis thalassophobe, les gars. Oh mon dieu. Là, je me laisse mourir. Là, franchement, je me laisse mourir. Oh, il va y avoir une solution, là. Oh, franchement, moi, si ça m'arrive dans la vraie vie, j'essaye même pas de chercher la solution. Je meurs. Attends, mais c'était un flashback, c'était quoi ça? Mais oui, grosse phobie, mais ça, vous développez une phobie en fait à cause de ça. Attendez, du coup, c'est une porte qui est avec un générateur, c'est pas là? Et franchement, le jeu il est excellent quand même. Hein. Il y a des énigmes et tout. Bon, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le méchant quand même. Genre là, je me sens trop en sécurité. J'aimerais bien qu'il y ait un petit... Voilà. Attends, parce que j'ai parlé trop vite, là. Là, je sais pas. Je me sens un peu trop en sécurité. Après, j'ai tellement stressé tout à l'heure que... Bon, du bien.
Oula, c'est quoi ça? On peut pas aller là, ok. Quelqu'un? Ah mais c'est... Attends, bah ouais, mais c'était sûr les gars, t'as vu la planche? Vous avez vu le truc? C'était certain, hein. Je le voyais vraiment. Ok. Et j'ai plus d'équipement, j'ai plus rien. Oh, les gars, adieu la lampe, ouais. J'avais pas capté. Oh. Agression. Non mais arrête, non. C'est un pervers, les gars. Et ça, on a... on peut pas le récupérer, ok. C'est bloqué. Alors... Ouais, les gars, je suis partie rechercher des jeux dont on avait déjà fait... dont on connaissait déjà les studios. Ouais, parce que je galérais à trouver des bons jeux. Je me suis dit, bon, bah, je vais regarder les studios qu'on connaît déjà. Et il y a plein de jeux qui sont sortis. J'ai été réveillée tôt ce matin par un fort bruit de claquement... de raclement contre le flanc du navire. C'est ça, là. Je pensais que nous avions peut-être heurté quelque chose dans le brouillard, mais quand j'ai couru vers le pont principal, il n'y avait rien. D'autres bruits ont été entendus par intermittence tout au long de la journée. Des coudes sur la coque, des bruits de grattage de métal, un faible grondement venant du dessous du navire. Chaque son a été étudié et nous n'avons rien trouvé. Oh, les gars, mais oui, c'est bateau fantôme. Terrifiant. Ok. C'est fermé. Ouh là là. Attendez, mais on est bloqué là. C'est qu'on est bloqué, les amis, là. Attendez, il n'y a pas un truc qu'on a loupé? Il y a un mot. Ça, je peux rien faire avec. Ok. Là, je peux rien faire. Je dois refaire demi-tour. Avec... Ah, il a disparu. Ah non, c'est là. Ah d'accord, il y avait un passage à pris. Bouge pas. Ouh là là. Oh Seigneur. Oh, ça fait peur. Il a bougé encore. Ça fait trop peur. L'ambiance est... dérangeante. Nicolas Chippez. Les gars, ne vous excusez jamais parce que vous pouvez pas regarder les lives. La Chippez. En plus, je te l'ai déjà dit, je crois. Les gars, c'est normal. Moi, j'ai disparu 9 mois, les gars. Vous m'oubliez. Alors, vous pouvez vous disparaître 3 ans, c'est pas grave. Vous allez vous revenir, je vais être contente. J'espère qu'il s'est rien passé de mauvais dans ta vie, la shippeuse, et que c'est une absence parce que bah, tu travailles beaucoup et que voilà. Moi, je sais que c'est plus fort que toi. Ouais, j'ai regardé Céline, mais il y a des films qu'on a déjà vus. Ouais. Ouais. Après, c'est normal parce que t'étais pas forcément tout le temps là. Coucou, la meilleure commu de la meilleure streameuse. Ah, ça fait trop plaisir. À défaut de toujours me critiquer là, d'avoir des compliments, c'est gentil, Blue Screen. Attends, je te mets VIP. Coucou, la meilleure commu de la meilleure streameuse Linono Lino FC. Je vais mettre des VIP à tous ceux qui font des compliments. Voilà. Merci pour le 19e mois, merci beaucoup, c'est gentil, Blue Screen. Mon père a disparu depuis plus d'un an maintenant. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un mystérieux colis d'une personne qui prétend l'avoir connu. À l'intérieur du paquet se trouvait un étrange artefact, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Auparavant, en cours... d'une de ses expéditions, mon père avait trouvé 3 de ses reliques. Il en portait 2 avec lui lors de son... Oh c'est ça, les gars. Il portait une relique. Quand il a disparu, il en avait une sur lui. Il y en avait 3. Tenant la relique dans ma main, je pensais que cela avait quelque chose à voir avec sa disparition. Peut-être que je peux l'utiliser pour le retrouver. Attention, le premier compliment, c'est ban pour grattage de VIP. Bien, les gars, vous pouvez faire des compliments. Allez-y. Et moi, je vous fais des compliments, franchement. De temps en temps. Non, en vrai, je vous fais tout le temps des compliments. Oh, il nous faut 2 engrenages, 3 engrenages. Ok, avec un chiffre 7, je comprends pas trop. Attendez, j'ai pas de flashlight. C'est de là où je venais? Moi, je me souviens même pas. Hein. Oh, j'ai pas de... Ah ouais, j'ai pas de flashlight tout le long. Bah, je vous ai dit... Je vous ai fait un compliment. Il y a quelques mois, là. Vous vous souvenez pas? Ce fameux compliment. Moi, je me souviens très bien, vu que j'en fais pas beaucoup. C'est gentil, la Chippez. T'es trop gentil. Vraiment, t'es trop gentil.
toujours... Et les gars, vous avez vu comment c'est toujours les femmes qui sont gentilles sont dans ma communauté? Les autres, ils font que m'emmerder. Hein. Je rigole. Coucou Sidonie. J'ai fait les meilleurs cris de Twitch. C'est très grave de regarder une strieuse parce qu'elle crie. Hein. Vous êtes vraiment dégénérés. Hein. Attendez, là, je venais d'ici, ça sert à rien. J'entends du bruit, j'entends du bruit, j'entends des pieds. Des pas. T'as préféré envoyer à ta pote comme quoi t'étais enceinte plutôt que de faire un compliment. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais à toi précisément, c'est pas pareil aussi, Dessy. Faire un compliment à Charline, à Yuri, à Zob, à Adri, à Généroussa, à Gugus, à Mikak, tout ça, moi je suis bien d'accord, mais pas à Dessy quoi. Alors, faut pas déconner, hein. Les gars, c'est comme si j'allais faire un compliment à mon pire ennemi. Bon, attendez les gars, pause. Attendez, pause, parce que là, tu vas me donner un indice, toi? Il va me défoncer, c'est sûr. Quand même. Non, dans le salon kebab, il y a Bibi aussi. Et ouais. Attendez, parce que là... Attendez, parce que là, on a quoi, là? On a... Ah là oh, les gars, mais ouais, c'est par là, vous suivez même pas le jeu, c'est grave. Hein. Je rigole pas trop, sinon je vais être ban. Encore. Encore. Je précise bien, encore. La pauvre. Ok. Non, Bibi, je te donne l'immunité pour ce stream-là. Je peux pas être ban. C'est là, les gars, la clé. Faut l'utiliser. Ah non? C'est pas là? D'ici, le viewer le plus drôle de ce stream. Eh, vous avez vraiment un humour. Tristouné, hein. Non, je rigole. Il t'a bougé, toi? Attends. J'ai peur. Oh my god. J'ai entendu des narines. Vous avez pas entendu? Ça fait ça. Attendez, parce que là, je suis bloquée, les gars. On a un truc, là. Une clé. Find. Ah, trouver l'emplacement. Pour... Oh, trouver l'emplacement, la pompe. Il y avait une pompe. Il faut retourner en arrière. Je crois qu'il faut retourner en arrière, les gars. Ah, mais là, ok, oui, oui, c'est là. Non, c'est bon, je suis plus bloquée, les gars. Let's go. Dans une heure, on regarde le film. Dans 40... 50 minutes. J'espère que vous êtes contents. J'ai un engrenage. On a un. Il n'y avait rien. J'ai quand même eu peur. Ah non, c'est lui qui a marché. Oh là là. Ok, ok. On a l'engrenage, les gars. On a le premier. Le coup, t'as bourré? Les gars, ce soir, j'ai des films de fous. Non, c'est un film... C'est légal, Jojo. C'est quoi le site illégal que tu prends pour trouver tous ces films à chaque fois? En tout cas, ça régale. Hein. Tous ces... tous ces sites illégaux. C'est quoi le site illégal? Oh là là. Mais non, les gars, ici, on est... En toute égalité. Vous croyez quoi? Vous croyez vraiment que je l'ai téléchargé dans des sites frauduleux? Ok les gars, on a ajouté un. Est-ce que je peux pas bouger ou quoi? Ah, je peux les bouger. Attendez, peut-être qu'il nous en faut qu'un en fait, non? Peut-être. Non, je crois pas. Non, en vrai, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais... Parce qu'en fait, là, il faut faire quoi? Question de fou. Hein. Genre, en fait, genre, lui... Je pourrais le mettre là. Et lui, je le mets là, non? Ça fonctionne. On sait qu'il faut trouver tous les engrenages. Ah. Non, c'est bon, on a tout, là, non? Ah, j'ai compris. Faut faire comme en haut, en fait. C'est facile. Ah, c'est facile. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Franchement, le jeu n'est pas difficile. Vraiment, j'ai jamais vu des énigmes aussi faciles. Mais non! Ok.
Ah, j'ai droit qu'à 7 coups. Ok, j'ai rien dit. J'ai droit qu'à 7 coups. Ok, ouais, j'ai 7 coups. D'accord. Ça va, easy. 1, 2, 3, 4. Non, il m'en reste que 3 après. Attendez, là, c'est finito, là. Là, je suis déjà fini, là. Le jeu est facile. Bon, arrêtez, hein, parce que vous arriverez pas comme moi. Attendez, parce que du coup, en vrai, je pense qu'il faut décaler. En 6 coups. Bon, reste 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon, je l'ai. Genre là, je fais 1. Là, je fais 2. Ah, il veut pas bouger, lui. Ah! Je peux pas bouger. Je suis obligée de le refaire. Oh là là. Ok, ok. Attendez. Rigolez, rigolez. Ah, mais lui, en fait, le problème, c'est que dès que j'en sélectionne un, je peux plus. Je peux plus. Refaire demi-tour. Ça, c'est vraiment le problème. Il m'en reste 2. Bah voilà, c'est bon, là. Mais non, voyez, c'est ça qui est chiant. En fait, je peux pas. Oh là là. C'est pas un level Scooby-Doo, arrête. N'importe. Eh, franchement, vous abusez. Hein. Level Scooby-Doo, abusez pas, hein, quand même. Hein. Level Scooby-Doo. Hein. Scooby-Doo, quand même, vous m'avez sorti. Non, et Scooby-Doo. Les gars, je sais, c'est bon, je l'ai. Et là, vous pouvez rien dire. Je l'ai pas. Voilà, merci. Ah, attendez. Attendez. Seigneur. Chut, 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 chut. Vous n'êtes pas les gens intelligents que vous pensez être, d'accord? Vous êtes pas en train de streamer depuis des heures, en train de crier, en train d'être angoissé, vous êtes tranquillement chez vous. Vos capacités de votre cérébral sont moins défectueuses que les miennes sur un jeu d'horreur, d'accord? Nous n'avons pas les mêmes capacités. Bon, bref. Hein. Attendez. Laissez-moi me concentrer. Qui est chiant. Il est chiant. Bah ouais. Nul. Merci Ningyo. Si ça peut te rassurer, c'est pas une énigme facile. T'es pas la seule à pas avoir rushé dessus. Merci. Non mais je vous jure, eux, ils sont trop intelligents alors que j'ai eu des meilleures notes au bac qu'eux. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand je commence, je peux plus finir. Enfin, je peux pas finir. Genre, c'est fini, quoi. J'ai même le bac comparé à eux, quoi. Déjà. J'ai plus de diplômes que tout le stream. J'ai plus de diplômes. Attendez, on va quitter. Je vais juste le refaire. J'ai pas mon bac. Hein. Comment ça, la crise de la quarantaine, la chipeuse? Mais t'étais gentille, en plus. La chipeuse, t'étais gentille. Tu fais partie de leur groupe, maintenant? Mais dis, je veux pas... En... Je veux pas commencer ça. J'ai eu au rattrapage. Je vais commencer comme ça, moi, en fait. Un, deux, trois, quatre. C'est bon, là, en vrai. Si j'étais qu'à lui, je pourrais plus bouger aussi. Mais non! Désolée. J'ai bac plus 3, je sais pas. Attendez, attendez, attendez. Ouais, mais si le tueur il vient, franchement, c'est bon, on va me saouler lui aussi, là. Non, mais ça va pas le faire, en fait. Lui, il est bloqué, ça sert à rien. Bon, attendez. Franchement, ça va m'énerver, là. C'est des engrenages qui engrenagent. Attendez, lui, je veux pas le prendre.
Attendez, si je fais... Déjà, le blanc, je veux le mettre en haut, c'est sûr et certain. Je veux le mettre en haut, c'est sûr. Non, mais lui, je voulais pas le mettre là. Vas-y, on va tester quand même, on s'en fout. Ça n'a aucun sens. Et des fois, ce qui n'a pas de sens a du sens. Ah voilà, ça n'a pas de sens. C'est un peu galère. Je crois que celle que j'ai regardée faire le jeu a même regardé la soluce. Ah ouais? Celle... Ah ben voilà, alors tu vois Ningyo, merci beaucoup. Il y a déjà vu une streamer jouer au jeu et elle, elle a regardé la soluce. Et ben moi, je vais pas regarder la soluce, les gars. Moi, je regarde pas la soluce. Alors là, moi, une énigme comme ça, je vais regarder une solution. Je peux plutôt mourir. Enfin, quand même pas. Moi, Lino. Moi. The Queen of the Horror. MDR, hein, pas du tout. Ok, attendez. Bon, on préparait... on va regarder le film à minuit et demi, je crois. Non, en vrai, je vais changer. Je vais bouger quand même. Genre lui, je vais bouger. Je fais un truc trop bizarre. Mais je le sens qu'il y a un truc à faire avec ça. Non, il veut pas prendre l'autre. On va remettre ça là. Hein. Et c'est difficile. Hein. J'ai été presque. Hein. Il me manque un. Deux coups. Hein. Regarde la soluce. Non. Jamais de la vie, je regarde la soluce. Jamais, les gars. Je vais réussir. Je vous jure que je réussis. Non, vraiment, les gars, je regarde pas la soluce. C'est mort. Non! Si, il y a moyen. Hein. En deux coups, là? Putain, c'est mort. En deux coups, c'est mort. Je peux pas bouger là. Celui, je pouvais pas. Ah, c'est mort. On a pour 30 minutes. Hein. Loulou. La la la. Oh. Non, il me reste qu'un coup. C'est ça le problème. Attendez, j'ai compris le système. J'ai compris le système. J'ai compris le système. Ah non, mais lui, il est bloqué à droite. Hein. C'est mort. J'ai fait un caca. Je fais un caca, les gars. Ah, c'est ça. C'est mort. Insoutenable au point d'endormir. Calmez-vous, d'accord. Je ne vous permets pas de dire ça quand même. Non mais on est où là? C'est devenu un zoo ici. Hein. Non, c'est pas celui-là que je voulais. En fait, celui-là, il va être bloqué après à gauche. Ah, attendez, il me reste trois coups, c'est intéressant là. Non. Ah non, encore une. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu étais presque. Mais je vous jure, à chaque fois j'y suis presque, mais à chaque fois j'y suis pas. Simple, basique. Ninono n'a pas les bases. Je la déteste cette musique, je la trouve trop nulle. Vraiment, la musique d'Oresan, basique, franchement, c'est trop grave. Hein, que ce son-là ait fait genre. Ait fonctionné. C'est vraiment quand tu réécoutes là maintenant. Après, peut-être à la période, c'était un truc de fou, tu vois. Mais quand tu réécoutes là les paroles et tout... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est vraiment trop nul. Hein. Ouais, j'avais la ref. Hein. Donc ouais, Star Corius. Non, les gars, franchement, vraiment, je rigole pas. Hein. Vraiment. Quand tu réécoutes, vous n'avez pas les bases et tout là. La musique, elle est éclatée. Hein. C'est vraiment... Elle est éclatée. Non, vraiment, elle est éclatée. Hein. Mais c'est quoi ce casse-tête? Tu vas pas y arriver, mais je vous jure. Hein. Mais là, regardez là. On pire là, il peut s'actionner quand même. Les blancs sont en haut, c'est juste qu'il y a un petit peu de décalage. Mais normalement, ça devrait fonctionner quand même. Franchement.
Le problème, c'est que je peux même pas prendre celui-là à gauche et le fouler là-bas. Je suis obligée de foutre ça là. Ok. Et je vais réussir. Hein. En fait, moi, il faut pas que je réfléchisse. Faut pas que je réfléchisse, les gars, pour réussir. Je vous jure, et je vous jure, quand on réfléchit trop, ça ne fonctionne pas. Oh let's go! Je vous ai dit, les gars. J'ai dit quoi? Qu'il ne faut pas réfléchir. J'ai dit, les gars. J'avais dit. On ne réfléchit pas. Les énigmes, c'est pour les gens cons. Je connais. Oh là là! Mais je suis pas con, c'est quoi le truc de Moundir? Je pensais que j'étais con, mais je le suis pas! Voilà. Ok, y'a quoi? Une clé. Une main. Ah, va arriver, c'était sûr. Vous avez vu, pas besoin d'énigmes, hein? Juste besoin d'être con. Faut juste laisser votre cerveau. Et non, je vous jure, des fois, c'est juste de la logique. Il faut pas trop réfléchir. Il faut laisser. En fait, je vous jure, c'est vrai. J'ai un instinct. Alors, vous allez rigoler, hein. Mais je vous jure que des fois, genre, j'arrive des trucs de fou. Mais en fait, mon cerveau, il est en pause. Et je ne vois visuellement, en gros, mon cerveau, il va dire ça, c'est ça, ça, c'est ça. Comme si j'avais un. Je sais pas comment expliquer. J'ai volé la clé, mais il n'y a pas été méchant, ça va en vrai. Oh, oh, on va sauvegarder. Oh ouais. Les gars, on sauvegarde parce que franchement, je vais pas la refaire. Hein. Moi, je peux pas en faire sans tricher, je suis trop fainéante si je trouve pas. C'est vrai, Edvania ! Oh non, moi, franchement, il faut. Moi, en fait, j'ai un ego. C'est pas bien. En fait, je suis têtue, et je vous jure, les gens têtus, ils ont un ego. Et moi, je sais que si je réussis pas une énigme, ça me. Pour moi, je suis trop nulle. C'est pas bien. Moi, un sixième sens. Rusguard. Ok, faut aller au cargo. Ok. Attendez, parce que là, on est bien content d'avoir fait l'énigme, mais sans savoir un tueur en fait. Allez. Ah, c'était à l'autre côté, c'est vrai. C'est vrai, là, on est trop. Je sais pas. LP Zob gifted a tier un sub to Ningyo Shedo. They have given 13 gift sub in the channel. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Zob pour le sub à Ningyo. Merci les riches d'offrir des subs au clodo. Let's go. Et on s'en va, bande de loser. Ok. Et la lumière, c'est bien. Ça répond pas. Non, j'ai save après l'énigme. Je l'ai même dit. J'ai dit, attendez les gars, fallait save. Tu. Bon, ceux qui ont des abonnements Prime, je pense que c'est pas des clodos. Parce que payer Prime, faut pas être clodo. Et en plus, vous pouvez les utiliser, les abonnements Prime. Donc offrez des subs seulement à ceux qui n'ont pas Prime. Les autres, faut les forcer. Ah ouais, mais non, les Prime, ça compte pas dans le 60-40. Bah offrez juste pas de subs, alors. Forcez les gens à s'abonner. Ok. Mettez la meilleure emote qui motive les gens à avoir l'abonnement. C'est-à-dire l'emote. L'emote pied, c'est ça. Il y a un bug. J'arrive pas, les gars. Quand je remonte, il veut la reprendre. Je vais la faire combien de fois cette échelle. Ok, on va juste tourner et avancer. Ok, ça va. Oh, il a mal au cœur. Le cœur ne se trouve pas du tout ici, mais c'est pas grave. Ok, on va monter vite. On n'a pas le temps de toute façon. Oh, du caca. De la merde sur le mur. Ceux qui n'ont pas la ref, c'est dommage. C'est vraiment la vidéo, la meilleure vidéo d'internet. Un vélo en l'air. Caca sur les murs. Oh là là. Bah si, Générousa. Ah, parce que t'as pas lié ton compte, non?
Non, ça fonctionne le Prime. Hein. T'inquiète pas, je vais t'envoyer un descriptif de comment utiliser ton Prime après le stream. T'inquiète pas. C'est vrai, passable à ref. Ah. Ouais, c'est des... par contre, c'est des refs Snap. C'est vrai. Mais le Snap français, les gars, il est trop drôle. Non, vraiment. Le Snap français, c'est le divertissement. Oh, ça, on avait déjà vu. On a quoi là? Ok. Oula, pourquoi je suis grande? Ah. Alors, je sais pas ce que je fais. Les... pourquoi je reviens là? Je comprends pas. Comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi je suis revenue là. C'est pas... c'est normal ou pas? Pourquoi je suis revenue là? Bah ouais, ça. Je suis descendue. Ah, pour aller là-bas? Pour aller là? Ah non. Alors là. Oh si, Snap, c'est bien pour... moi, j'utilise pour mes amis, quoi. Puis pour la position aussi, c'est cool. Hein. En fait, quand je sors avec des amis, qu'on part en voyage ou... par exemple, quand on se rejoint quelque part, on met nos positions et comme ça, on voit... ah, c'est là. Hein? Alors, peut-être pas, peut-être que je suis tombée, mais je pense que c'est par ça. C'est par là. Oh, genre à Rome, quand on est parti, nous on s'est toujours dit on met nos positions. On sait jamais s'il se passe un truc. Du coup, on l'a mis. Bah, le Prime, en vrai, j'ai pas. Enfin, Prime, généralement, les gens savent. Oh là là! Attendez, là, c'est bizarre. Ok. Ça veut utiliser Prime? Non, c'est juste que là, ça bug pour Generusa, je crois. Ah, ou peut-être Generusa, c'est pas ça? Peut-être que tu as utilisé pour quelqu'un? Parce que les gars. Attends, on voit rien, j'ai pas de lampe torche en plus. Ok, il est pas là. Les gars, on a ça. Ok, il faut retourner au tout début. Hein. C'est par là? Oh, c'est storage ici. Que l'abonnement Prime c'est que pour une fois, pas une fois, une seule personne hein, par mois. Après, vous pouvez le changer. Ouh. Je crois qu'il fallait aller au début, reprendre l'ascenseur peut-être, non? Ouais, c'est ça. Ok, ok. Ça va, en vrai, le jeu est très intuitif et les maps elles sont pas difficiles à comprendre où faut aller et tout. J'ai Prime mais je sais même pas comment on fait. Ah ouais? Mais les gars, c'est un abonnement gratuit, imaginez! Vous payez même pas! Mais non, vous, je veux pas que vous appreniez comment utiliser Prime parce que Prime ça compte pas pour 60-40. J'avais oublié. Non, la chipeuse, t'inquiète, garde ton sub, t'inquiète. On l'utilisera plus tard. Hein. Attendez, y'a un problème là. Oh là là! Non, j't'ai... oh alors ça c'est ma honte. Ça. Oh là là, vite, non, je m'en fous. Vite, vite. C'est ma hantise, ça, les ascenseurs bloqués. Et que tu passes et l'ascenseur il tombe, il te coupe en deux. Ça, je pourrais jamais. Moi, je préfère rester dedans. Hein. Oh, c'est quoi ça? Oh non! Oh là là. Le putain de générateur. Alors, ce foutu générateur s'est encore éteint ce matin. La dernière fois que cela s'est produit, c'est nous sommes restés coincés ici pendant des heures à attendre que les pièces de rechange sortent du stockage. Des pièces de rechange supplémentaires ont été laissées dans une salle de stockage, ici, maintenant, au cas où... une sta... ok, ok, au cas où. Ok. Alors ça a pris le film. Ah, le Prime. Oh! Oh, mais attendez, mais les gars, on va prendre 50 millions, là. C'est limité? Je crois que c'est limité, hein. Mais les gars, c'est incroyable, ça. Attendez, ah, je peux plus en prendre. Non, j'en ai déjà. On va reprendre. Je m'en fous, j'en mets partout. Attends, mais si c'est... ah, mais ça, c'est pas une durée... c'est pas une durée limitée, en fait, je crois. Vas-y, on va peut-être pas les utiliser trop, alors. Il y a quoi, ici? Un papier encore? Une sauvegarde! C'est génial. C'est génial, c'est génial. Les gens qui regardaient Dora, je pense qu'ils sont tous devenus tueurs en série. Je rigole pas. Ça, ils faisaient flipper ce dessin animé. J'ai réussi à m'échapper jusqu'au bout de... jusqu'au pont de service avec quelques autres qui se sont...
pas infecté. Nous avons désactivé le monde de charge. Raconte ta vie. Vous comprenez une saga, j'ai acheté Elden Ring. Oui, mais pourquoi tu cries? Tu sais, t'es pas obligé de crier. Ah, on a besoin d'un truc, ok. J'ai acheté Elden Ring. Bah, bonne souffrance, hein. Faut vraiment aimer souffrir. Moi, j'aime bien Elden Ring. Non, je peux pas les garder en main, ouais, il veut que les jeter. Ok, on en reprend un. Ah, c'est fermé, ok, il faut une pince. Ouais. C'est bizarre qu'ils veulent que les jeter, après je pense que ça va faire mal aux mains, non? Je peux en prendre que un. Bon, franchement, je prendrais 5, bah, le carton. Après, en termes de gameplay, c'est pas fou, hein. Peut-être t'as un carton dans les mains et tu... On va garder la, en vrai la lumière ici, on va garder. Ça coûte 4,99€ un sub. Ah, j'avoue, c'est moins cher qu'avant. Avant c'était 5€, hein, vous vous souvenez? En vrai je trouve ça cool quand même qu'ils aient baissé, hein, Twitch, hein. Même si on gagne moins, bah ça, enfin c'est mieux. C'est bloqué ici. Non, en vrai c'est sombre, on va en mettre un quand même. Hein. Oula. Y'a un code. Non, c'est sur téléphone, 4,99€, les gars. En gros, il y a la taxe. Y'a une taxe Google. Hein, ou iOS ou je sais plus quoi là. Donc évitez de prendre par téléphone, ça coûte plus cher. Hein. Ouais. Vous donnez des sous à Google. Hein. Mais là, y'a quoi? Oh, attendez les gars, on prendrait pas. Non. Attendez les gars. Moi je veux de la lumière partout. Je fais demi-tour. Et je vais aller prendre encore un truc rouge. Baba! Il y avait une bête? Il y avait une araignée, Seigneur? Vous avez vu, il y avait une araignée là? Vous avez vu ses pattes? Je vais garder mes sous ce mois-ci, super pauvre. Mais non, mais les gars, dans une saga, si t'es pauvre, les gars, vous allez pas payer 4,99€, hein. T'as pas de sous, gardez vos sous les gars. Bah non. Après les streams de base c'est gratuit, hein, faut pas oublier. Hein. C'est juste que évidemment les gens. Je l'ai jeté comme si je frappais quelqu'un. Oh les toilettes. Oulala. Oulala. Il y a trop de choses à faire les gars là. Oh mon dieu. Par contre ça me perturbe depuis tout à l'heure, t'as une nouvelle coupe de cheveux. Non, j'ai attaché mes cheveux parce qu'il fait chaud dans ma pièce là. Ouais. C'est pour ça. Non, j'ai pas coupé. Justement, je veux encore les avoir longs comme avant. Je ne pense pas que nous soyons seuls ici. J'entends des crépitements dans les murs. J'ai essayé de me dire que tout était dans ma tête, mais maintenant, Gresham a disparu. Pour des raisons de sécurité, je pense que nous devons peut-être nous cacher dans l'une des pièces. Une boîte à fusée éclairante. Ok. Chez vous, une facture de 200 balles chez vous, c'est quoi, vous? C'est un truc... Ah non, c'est ça. Ok. C'est quoi, c'est un truc téléphonique? Genre belge ou suisse ou je sais pas quoi. Chez vous? Moi les gars, j'avais mon anémie, j'ai perdu beaucoup de masse avec mon anémie. Oh là 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 là. Avec mon anémie, j'avais vraiment perdu beaucoup de masse. Hein. Et du coup, je les ai coupés. Et là, ça va, ils reprennent. Ok, on peut pas passer par là. Hein. Ok, on peut pas. Ouais, c'est belge, ah ouais. Ok. Mm. Et quand je vais en Belgique, moi, je garde. En vrai, ça garde free. Avant, je sais plus c'était quoi, c'était pas... Il y a un autre truc, hein, que vous ou vous. Ah, je sais pas, avant, ça me mettait sur ça. Mais je sais pas c'est lequel, je me souviens plus. Attendez là, parce qu'on va reprendre un truc. Coucou... Coucou Lamia. YouTube, si tu passes par là un jour, je te présente la magnifique émote. Pour la voir, si viens te sub sur Twitch. Offre promo du moment. Pour 3 mois, achetez 3 mois de sub acquis pour utiliser cette émote. Viens te sub sur Twitch. Offre promo du moment. Pour 3 mois, achetez 3 mois de sub acquis pour utiliser cette émote Lino nos pieds. Y'a un qui fonctionne, non? Merci Lamia, c'est trop gentil. Merci à la copine, c'est gentil. Merci pour le 22e mois, Lamia. Moi, je sais pas, ça a bugué, il est schizophrène, je crois. Merci beaucoup, c'est gentil, Lamia. Ça fait longtemps déjà. Hein. Ouais, il crie fort le TTS, ah ouais, abonnez-vous. Oh, c'est verrouillé encore. Oh, je voulais sauter.
Sinon, je vends mon fessier d'hippopotame pour arrondir les mois. Ah ouais? Tu vends combien? C'est cher ou pas? Enfin, ça m'intéresse pas, hein. J'aimerais bien connaître le marché, quoi. On sait jamais si un jour... je deviens clodo. Non, je rigole, hein. Je rigole, c'est une blague. Attendez, il nous faut un code, mais là, franchement, on a quoi? Là, on a juste ça, et c'est tout. Je demande, c'est pour un pote. Ouais, les gars, c'est juste pour un pote. Attendez, on repasse par ici. Avoue, les pieds, les gars, il y a un business vraiment à faire, hein. Si vous avez des beaux pieds, chère femme, vendez vos pieds. Bon, attendez, parce que là, on est bloqué. Concentration. Ah, vous peut-être descendre là, non? Non, pas du tout. Ils ont parlé de... Non, là, les toilettes... Mais pourquoi, là, ce serait juste... Il n'y a rien, c'est juste des toilettes. Là, ils nous avaient dit de... Drain water, water from the overflow. Faut que je descende en bas. Oh. Je te disais que tu pouvais t'accroupir. Je veux pas descendre dans l'eau. M'accroupir, je me suis dit, peut-être c'est pour juste la cage. Ici. Ah! M'accroupir ici? Ah bah ouais. Ouais, parlant de saga, on va regarder un film ce soir. En plus, franchement, j'ai trop hâte. Parce qu'il y a... Il y a un film que j'ai jamais vu et un autre que j'ai déjà vu. Mais ça date de tellement longtemps que moi... ma mémoire, je me souviens plus. Hein. Il y a quelque chose dans la salle boiler. Luc est venu me voir aujourd'hui insistant sur le fait qu'il avait vu quelque chose là-dedans. Au début, je pensais que l'une des statues avait dû être inventée ici, d'une manière ou d'une autre. Inventée, je pense que déplacée, peut-être. Mais alors que je m'approchais de la porte ouverte, j'entendais ce que c'était contre le mur au fond. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il raconte là? Ah, le code 3792. On lit 3792, les gars, on a le code. Let's go. Là, en vrai, à minuit, on arrête, on lance le film. Ouais. Je vendais des chaussures d'occasion, car il y a un book, il m'a demandé de voir la semelle pour 20 euros. Ah ouais? Non, j'ai oublié le code 3791. Starken, il a mis un message, ça m'a perturbé. 37... 3792. Ah, Sanify, c'est pas un jeu, ça? Oula. Peut-être qu'il faut que je mette la lumière pour le monstre, non? 3792. Pourquoi une semelle? Ah non, mais t'as vendu que la semelle! Peut-être qu'il voulait sentir tes pieds. Wow. Moi aussi, j'aimerais bien sentir tes pieds, un peu. Je rigole, hein, c'est une blague. Bon, on m'envoie pas tes pieds. 3792. Au côté ici, Rose. Oh, quelqu'un est vivant, les gars! Il faut aller... Vous êtes vivant, monsieur? Ah non, on veut juste la clé. Oula. Non, non, pas la clé. Non, pas la clé. T'aurais pu prendre le corps sans la clé. Les gars, il y a une créature. Il n'y a plus qu'un... Il n'y a pas que un... Est-ce que là, je vois pas? Okay. Les gars, il n'y a pas que... Évidemment, quelle idée, les gars. On est trop intelligents. Ah non, j'ai craqué ma seule lumière, là. Non, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Oh non, j'ai plus de lumière. Oh là là. Vas-y, c'est pas grave, les gars. On y va comme ça. Non, je vois rien. Oh non, les gars, je pense qu'il faut aller... On retourne, on va chercher la lumière rouge. On est obligé. Oh, c'est une... Mais j'en ai plein. Ah, mais j'en ai plein. Ah, ils ont fait exprès, je pense. Si on oublie. Ok, ok. Est-ce qu'il m'a... Oh là là, il a mangé tout de suite. Il a laissé la clé. Oh là là. Il a laissé la clé comme par... Il a laissé rien du tout, sauf pas un bras, un bout, une clé. Ok. Bon, la bête, elle est repartie par... Ah, elle est repartie là. On va vite partir. Hein. Ouais, il avait faim. Ouais, c'est vrai, pendant une saga Monstrum. Monstrum. Bah, ça se passe dans un bateau. Hein. C'est rare, les jeux d'horreur hein, dans un bateau. Hein. C'est... Ça change. Hein. En plus, je sais pas, dans un bateau, T'as des bruits bizarres parce que t'as le fer qui grince, t'as le... Vous savez, c'est toujours des bruits qui viennent de n'importe où. Hein. Une maison, c'est quoi? Ça grince parce que, bah... Attendez, j'ai quoi, en fait? Clé venti... Ah, c'est là-bas.
Je crois que c'est là-bas ou c'est là. C'est là-bas, ouais. Et là, c'est vrai que ça change au moins. Je pense... Ah si, non, c'est là-bas. Hein. J'avoue, le jeu, franchement, il est excellent. Peut-être j'aurais préféré avoir plus de chasse avec le méchant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'aurais préféré qu'il soit... Je suis vraiment Sado, hein. Sado ? Ouais. J'aurais préféré qu'il soit plus actif. Ok, donc là, on va l'éteindre, on va passer. Ah ouais. Je pense qu'il était pas trop là, hein. Excellent, on va jamais le finir, mais si... Ouais, on le voit moins, le méchant. J'aurais pris... Ouh là là, lui, il va disparaître aussi. Ah non. RIP. Oh là là, tour de contrôle, les gars. C'est quoi, ça? Je sais pas ce que je fais, hein. On verra. On verra, un papier. Moi, les jeux d'horreur, je les aime grâce à mes frères, en vrai. Enfin, mon frère, hein, qui m'est bien Resident Evil. Je ne pense pas m'en sortir vivant, je suis le seul qui reste. Les crépitements sont plus forts maintenant. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est m'asseoir ici et regarder la dernière fusée s'éteindre. Tu en actives... Ouais, j'ai en activé une pompe. Oh, de toute façon, attends, c'est écrit là, de façon. Water. Bah ouais, c'est ça. Une pompe à eau. Ah, c'est ça, c'est l'incinérateur. Il était rouge tout à l'heure. Le tunnel, eux, il est toujours rouge. C'est un... On va penser, on va penser. Ouais, en vrai, là, on a perdu un peu de l'horreur. Hein. Là, j'ai moins peur. Mais par contre, au tout début, j'étais vraiment tétanisée, les gars. Le début, il faisait tellement peur. Là, on est sur des trucs furtifs. Pris ça. On t'a fait quoi? Il y avait un truc? Il y avait quoi? C'était quoi, ça? Oh, t'as lu le tien? Ah, j'ai même pas vu. Bah, tant mieux, hein. Ok, oui. De toute façon, la bête, elle va sortir, c'est sûr, elle va nous chasser. Hein. Là, on peut rien faire. Attendez, je sais même pas ce qu'il faut faire. Parce que retourne... Ouais, remettre le... Faut explorer. Ah, attendez, peut-être qu'il faut passer par le trou des toilettes. Non ? Moi, j'ai drainé l'eau. Est-ce que vous pensez pas qu'il faut aller, il faut retourner aux toilettes pour descendre? Ah, mais jamais de la vie, mais jamais de la vie. Attends, mais attendez les gars, je me dis, c'est quoi ça? Ah non! Moi je me suis dit, mais pourquoi j'ai reçu de l'argent, les gars? Mais en fait, c'est les dons. Les dons, je les reçois pas tout de suite. C'est vos dons que je reçois que maintenant. En gros, c'est chaque mois, je crois. Je sais plus c'est combien. Mais en gros, là, je vois un truc PayPal. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce don de fou? Mais en fait, c'est tous les dons que vous m'avez donnés le mois dernier. Et du coup, non, c'est pas. Je pense que c'est pas ceux de maintenant. C'était le mois dernier. Du coup, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Oh, on descend vraiment là? Je me dis, attends, mais il y a vraiment quelqu'un qui a fait un don de. 5000 euros? Non, je sais pas. Moi, j'ai tout dégainé. Hein. Attends, il y a trop de choses à faire, les gars, là. Oh, on en est déjà encore plein. Oh là là. Non, je les reçois pas tout de suite, les dons. Non. Tipeee Stream, ils font le virement. C'est un peu comme Twitch. Genre, Twitch... Les subs, je les reçois pas tout de suite. En fait, ils attendent. Ils attendent d'avoir tout. Parce que du coup, après, ça fait des transactions. Et du coup, bah, je vais... Enfin, ils ont des frais, en fait. Genre, imaginez, vous faites un don d'un euro. Bah, eux, ils vont avoir une frais pour la transaction jusqu'à PayPal, tu vois. Donc, ils attendent d'avoir tout. Comme ça, ils font... Voilà. Ouais, je peux regarder Céline. Hein. Combien de dons tu m'as donné. Non, Tipeee Stream, c'est ceux qui prennent le moins de marge. Genre, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, j'avais fait une comparaison avec plein d'autres. Enfin, après, s'ils n'ont pas augmenté, j'ai pas regardé d'ailleurs. Et j'avais un comparatif, hein. Genre avec Stream Element, plein de trucs. Et Tipeee Stream. Hein. Bah, et puis j'avais discuté avec le mec qui s'occupe de Tipeee Stream. Hein.
Et ils prennent une plus petite marge. Mais parce que c'est français aussi, je crois, c'est pour ça. Bon, c'est bloqué. Parce que moi, je me souviens que j'avais des connaissances sur Twitch qu'ils avaient streamé l'aimant. Streamé l'aimant, c'est américain, il me semble, un truc comme ça. Et genre, ils prenaient vraiment une grosse marge. Enfin, une grosse marge. Ils prenaient peut-être, je sais pas, sur 100 euros, ils allaient prendre 10 euros ou je sais pas, 20 euros, je sais même plus. Enfin, pas quand même pas, mais. Ouais, c'était une marge quand même. Après, avec PayPal, mais ça, c'est des abonnés qui sont là depuis longtemps. Il y a des abonnés qui ont genre hop, il a déjà mon PayPal, donc il n'y a pas de free. Mais bon, et je vais pas vous donner mon PayPal, hein. Et hello, désolé, faut j'arrête de faire ma ch'ti. Et on descend dans l'eau là. Oui, il y a un classement, mais c'est avec Tipeee Stream. Stream Élément, ils ont pas les dons, les gars. Ah non, parce que Stream Élément, c'est pas c'est avec Tipeee Stream. Streamélément, c'est pas du tout les dons. Attendez, je vais refaire ça. Non, c'est pas immédiat avec Tipeee Stream. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'en gros, quand vous faites des dons pour les jeux et tout, bah je les ai pas tout de suite. Donc en gros, je paye avant. Vous voyez? Oh là, c'est quoi ça, ananas là? Allez, attendez, je crois qu'il faut aller sauter dans l'eau, les gars. Oh my god. Mais j'ai plus de lumière. Oh là là, ma phobie. Oh là là, ça je pourrais pas le faire. Ça je peux pas le faire. Oh, ça c'est impossible. Plus. Ok, ça va, c'est Titanic. Ouais, il fait sombre. En fait, il veut pas utiliser de trucs ici. Ok, là c'est une clé ou pas? Ouais. Sauvegarde, une sauvegarde automatique en fait. Il y a une icône de sauvegarde en bas. C'est des menteurs. J'ai paniqué pour rien moi. Ok les gars, on a une clé. C'est pour ça? Ah non, moi j'allais te dire. Ah bah si. Ah bah non. Je comprends pas. Ok, attendez, on a une autre clé. Est-ce que je suis montée là? Je sais où je vais faire. Ouais les gars, les JO ça va être une catastrophe. Bonne soirée Léo. Les JO ça va être catastrophique. J'ai tellement hâte les gars. Les JO, c'est... Ça va être un enfer. Attendez, les gars, on a workshop qui... Mais je sais plus où c'est... Où est-ce que c'était? Franchement, en plus, on n'a pas de... C'est pas... Voir là-bas. Genre à droite, ici. Parce que là, t'as une chaîne. Là-bas, il y a une porte, mais il n'y avait rien. Ouais. Ah, c'était en bas. Parce qu'il n'y en a pas dans cette zone entre celui qui porte le... Oh, vous avez vu? Vous avez pas vu? Celui qui porte la mèche olympique. Enfin, la flamme olympique. C'est le mec dans la vidéo « Mais t'es pas net ». Genre, vraiment, en vrai, franchement, c'est trop grave. Au lieu de prendre... Je sais pas, tu prends un... Ouais, c'est Baptiste. Franchement, les gars, je suis désolée, mais tu... Franchement, il y en a qui vont trouver ça drôle. Ils vont dire « Vas-y, c'est drôle et tout ». Mais ils auraient pu prendre, je sais pas, une athlète connue. Enfin... Ça, c'est Jeux Olympiques. Ou bien tu prends... Je sais pas, tu prends... Enfin, c'est... Non, franchement, vraiment... J'ai pas compris. Hein. Bon, je repars ici parce que je sais pas où. Non, mais vraiment, c'était pas net, Baptiste. Ouais, c'est ça. Non. Ou bien, tu sais pas. Genre, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, mais c'est par là. Ouais, la France en roue libre. Hein. En plus, c'est pas comme si le truc, il... C'était il y a pas longtemps, quoi. Le truc, ça date des années. Ça fait des années, les gars. C'est bloqué, là. Donc, vraiment, ça fait des années, t'es pas net. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'ils avaient fait une... Ils avaient fait une pétition sur Facebook. Ouais, Facebook, les gars. En disant, ouais, que Baptiste allume la flamme olympique. Vous vous souvenez de cette pétition? Et il y avait des gens qui l'ont signé et tout. Et c'est à cause de ça. C'est grave, hein. Enfin, après, il est pas méchant, tu vois, lui. Franchement, il est pas méchant. C'est pas lui qu'il faut... C'est juste bah, le gouvernement qui... Ah oh, let's go, les gars. On a tout, là. On a tout. Tu vois, c'est le gouvernement. Lui, il est pas méchant. Il a rien fait. Il est gentil et tout, hein. Ah, vous pensez qu'il est impliqué dans le domaine sportif, Baptiste? En vrai, c'est possible, on sait pas, hein. Mais bon...
de fortes chances que non. Mais c'est possible après, c'est vrai. Hein. Non, je rigole pas, Céline, c'est la vérité, je vous jure. J'ai entendu une bête, là. Bonjour, Céline. Non, mais Zob, on gueule facilement parce que les JO, c'est une catastrophe, tu vois, Zob. Tu vois? Genre, non, franchement, les gars, c'est heureusement qu'on gueule facilement. T'as vu les JO? Comment c'est une... Ça commence dans quelques mois et y a rien. Et puis en plus, c'est pas comme si on gueulait, c'est juste qu'on se fout de la gueule de... Tu vois? Oh, on en a plus. Genre, tu vois? C'est pas comme si on allait manifester dans la rue, hein. Juste, on dit que... Le gouvernement, c'est une grosse blague. On a de l'huile. Donc l'huile, c'est pourquoi? Je l'ai oublié, les gars, lui. Hein. Ah, c'est sûr qu'il va... Attendez, il répond pas. L'huile, c'est pourquoi? Alors là... Y a des... Vous savez qu'il y en a qui veulent pas nager dans... Non, c'est pas par là? Je sais plus. Hein. Qui veulent pas, hein, aller nager dans la Seine. Ouais. Il y en a qui se sont pas en fils. Après, moi je les comprends. Hein. Franchement. C'est pas par là, je sais plus. Franchement, je sais plus là. On a parlé beaucoup. Et l'endroit là, il est perturbant. Ah, j'aimerais bien, les gars. Et vous savez, Baptiste est pas net là. En vrai, il avait pris des médicaments. C'est pour ça qu'il avait fait la vidéo là. Il était pas dans son état normal. Il avait expliqué. Pas là, non. Donc, en fait, il faisait une... Comment dire ça? Il avait fait un surdosage, ou je sais plus quoi. Et du coup... Non, mais il est pas net. Non, mais en vrai, faut pas critiquer, tu vois. Enfin, faut pas critiquer. Faut pas se foutre de la gueule, tu vois, des gens qui prennent des médicaments, tout ça. Parce que les gens, ils sont vraiment foutus de sa gueule en mode méchant. C'est, franchement, je trouvais ça vraiment dégueulasse. Hein. Parce qu'il y avait rien de méchant, et puis la vidéo était marrante. Hein. Mais il a dit qu'en gros, il avait des... Non mais il était ça, non pas en mode drogué hein. Genre pas en, c'était pas en mode drogué les gars, c'était vraiment quelqu'un qui... Ah c'était là, ok. C'est, il, avait besoin, il prenait des médicaments parce qu'il était malade, tu vois. Donc c'est pas... Faut pas dire il est une panette hein. Mais c'est pas ça? Oh non. Et du coup bah voilà. Ah il avait pris des médicaments pour dormir, bah voilà. Bon attendez les gars, on est bloqué. Je suis désolée là, je sais pas quoi faire, j'ai un bidon. C'est des somnifères. Eh bien les gars, ça vous rend stone et somnifères. Oh, oh j'ai peur. Attends, c'est pas... Je sais même pas quoi faire, les gars. Vraiment. Oui, c'est... Non, quand je dis il s'est drogué, genre, je veux dire... Quand je dis c'était pas drogué, je veux dire, il faut pas penser qu'il s'est drogué en mode... Vous savez, la drogue, genre, se défoncer la gueule. Lui, il a pris des médicaments... Oh, je sais pas ce qu'il faut faire, ouais. C'était juste pour dormir, quoi. Peut-être que moi j'aurais pu faire ça, hein. Tout le monde aurait pu faire ça. Mais moi je vais pas prendre des médicaments pour dormir. Ma hantise, hein. Les somnifères et tout, moi ça fait trop peur. C'est peut-être par là. Ah, attendez. Bon, on va repartir dans l'eau, hein. Les gars. Allez, c'est parti, hein. On voit rien du tout. Je fais demi-tour, mais je sais pas si c'est ça. Hein. Ouais, des fois on n'a pas le choix, je sais, Adri. Ouais mais bon. Ah on peut pas faire demi-tour, ah ok. Mais moi ça me fait trop peur, j'ai vu des personnes que je connaissais qui prenaient des somnifères. Au réveil, ils étaient dans des cosmos, vraiment. Ils étaient trop défoncés. Et ensuite, bah... Ils avaient... Quand ils travaillaient pas, ils prenaient aussi des somnifères et ça les rendait trop fatigués. Ils étaient trop fatigués. Je me rappelle, il y avait une amie de ma mère qui prenait des somnifères. Quand on l'appelait, c'était une autre personne, hein. Vraiment, bah, elle a été shootée, quoi. Bon, les gars, franchement, là, on sait pas du tout quoi faire. J'ai essayé d'aller dans toutes les zones. Mais là, vraiment, c'est des endroits, je sais même pas. On est Keblo. Je vous jure. Pourquoi on a de l'huile? Attendez, c'est pas pour ça, j'espère. C'est pour ça? C'est parce que le truc, il était rouillé. Bon, heureusement que j'ai testé avec ça. Hein. Ah ouais, Adri. Ouais, c'était pour ça. Bah, heureusement que j'ai trouvé. Hein. Oh là là, on voit rien du tout. Oh là là.
Ouh là là, mais je suis où? Mais... Ah. Attendez, on va faire un truc. Mais... Attendez, parce que là, c'est bizarre. Attendez, je dois aller récupérer des trucs, c'est vrai, vraiment, là? C'est à côté? Non, c'est pas à côté, en plus. Oh, mais c'est pas à côté, je vois rien du tout à l'intérieur. Oh là 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 là. Là, on a perdu la peur. Hein. La peur n'existe plus du tout, là, hein, depuis. Hein. Donc moi, je sais qu'il faut descendre, de toute façon. La peur, elle est inexistante depuis... Ça fait une heure, on n'a plus peur. Une heure... Bah, on sait pas. On sait pas où sont passés les méchants. Les méchants sont en train de dormir, je crois. Oh, Vika, j'espère ma mère, elle a pas mangé ma glace à Gendes. Oh là là, je rêve d'elle. Je rêve, les gars, de ma classe, d'une cuillère, de regarder un petit film, là. Oh là 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 là. Ouais, mais j'aimerais bien voir un retour de karma. Parce que là, pour l'instant, c'est trop calme. Je suis vraiment ingénieur pour l'instant. Enfin, ingénieur. Je répare le bateau. Vraiment, c'est ça. Je répare et je vois des gens morts. J'avoue que là, le jeu, il glow down, hein. Franchement. Là, pour l'instant, on est sur... un ropichim. Oh, les mochis, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé aussi. Oh, des mochis. Bon, je veux des mochis glacés, là. Mmh. Ah, des mochis glacés, les gars. Ah, la pistache. Les gars, la pistache, c'est pas le truc le plus incroyable au monde. Oh, c'est bon, là. Ça, je sais où le mettre. Ça va, vous inquiétez pas. Il est revenu? Attendez, là. Non, mais je crois que c'est la bête, hein. C'est plus le méchant, là. Oh, il est revenu. Il m'a tout cassé. Pourquoi il me tue pas pour l'instant? Il est bizarre. Il m'attaque pas. Oh, à la mangue aussi, c'est bon. Mais pistache, les gars. Je sais qu'il y en a qui aiment pas les pistaches. C'est trop nul. Ne pas aimer la pistache. Attendez, parce que là, il faut que je retrouve là où on doit aller, en fait. Pas que c'est dans l'eau, hein. Je sais où c'est, mais enfin, je sais dans quelle pièce c'est. Attends, c'est pas là, faut pas que je repars. Ah non, après, je repars là-bas, je suis bête. Hein. Ah, moi, j'aime bien la rhum, j'aime bien la pistache, j'aime bien. Oh, le beurre de cacahuète, les gars. Le beurre des cacahuètes, c'est incroyable. Mon père, il en achetait tout le temps avant. Oh là là, je faisais des tartines, je prenais même la cuillère. Je mangeais le beurre des cacahuètes, c'est incroyable. Mais attention, hein. Pas le tout sec, hein. Parce qu'il y en a, ils ont des trucs tout secs. Ça, faut bannir. Hein. Moi, je parle de ceux qui sont bien gras. Oh, bien lourds, là. Tu sens que... Attendez, mais c'est où? Tu sens que quand tu vas manger ça, après, tu prends... Oh, 2000 calories, c'est bon, t'es pas obligé de manger juste après. Hein. Je crois que c'est par là, en plus. Attendez. C'est par ici. Oh, c'est dans une des pièces... Non, c'était pas dans une des pièces ici? Non, c'était pas là. Ah, c'est là, si. Non! Non, mais je sais où c'est, regardez, j'ai trouvé si. Oh là là, je me suis trompée. Oh, moi aussi, beurre de cacao est en deux jours. Ok, let's go, les gars, escape! Les gars, attendez, peut-être qu'on a fini le jeu. Ce serait un peu bizarre, mais... Escape. Attendez, parce que là... Maman, je suis bloquée. Je suis mort. Fallait que je cours. Bonne nuit, Yuri. Bonne nuit, merci d'avoir été là, Yuri. Merci beaucoup. Bisous, bonne nuit. Fallait que je me sauve. Je suis morte. Je la regarde même pas. Je ne la regarde pas. Je me sauve. Ouais, par contre, ça fait grossir la cacahuète. Hein. Les gens qui sont allergiques à cacahuètes, enfin, les gens qui sont allergiques à plein de trucs. Hein. C'est que j'ai une amie, son père est allergique aux huîtres. Il est devenu allergique aux huîtres. Hier, je voulais prendre des huîtres au resto en plus. Je me suis dit, bon, imagine, je commence à avoir des douleurs au ventre et tout. La pompe à eau. Oh, c'est plus, c'est moi. Je crois que c'était là-bas. Oh non!
c'est trop bon. Oh ah non, je croyais que tu parlais des œufs bénédicts. Je me tape la honte. La bénédiction d'être allergique aux huîtres. Les gars, les œufs bénédicts. Miam. Oh, envie de manger des œufs. Oh là là. Des bons œufs pochés là. Incroyable. C'est par là, hein. Mmh, avec la sauce hollandaise. Attendez, non, c'était par là. Ouais, c'était ça. Ok, let's go. Ensuite, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait? Escape encore? Ah non, entrée. Entrée. Je vais faire les moules du Nord. Ouh, Kajopi. L'allergie est une grosse maladie du 21e siècle. Non, il y avait des allergies aussi avant. Hein. Bah ouais, hein. Attendez, les gars, vous rentrez dans le cargo. Ça s'est ouvert, ça dit, il s'est passé quoi? Je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Je sais pas ce que je dois faire. Ils me disent... Entrée, cargo, hold 2. Nous, c'est hold 1. Du coup, le hold 2, je dois aller où? Comment... Ah, peut-être par là, l'ascenseur. Ah non. Je dois aller en haut? Je comprends pas. Dans le cargo 2. Oh, l'ordre combat était là tout à l'heure. Ah, oh, ok. Ouais, il y a beaucoup plus d'allergies maintenant, c'est sûr. Alors là, on est perdu. Hein. Oh, je disais que le jeu était intuitif. En vrai, il est quand même intuitif. C'est juste que là, c'est compliqué quand même. Hein. C'est pas par là. Là, on a plus rien à faire ici. Donc c'est bien de l'autre côté. Pour moi, le cargo 2, c'est d'être un autre truc comme ça, immense. Mais le 2. Ouh là là, calme-toi. On va siffler, on sait jamais. Et il a disparu, l'autre. Hein. Peut-être par là. Non, c'est pas par là, c'est pas possible. Parce que on venait de comme ça. Première fois sur... Attends, on va sauvegarder. Première fois sur le stream. Merci pour l'animation, les énigmes et les jeux qu'on découvre. Pas de soucis lorsqu'on pâte. T'inquiète. On est là pour vous divertir. Je crois que j'ai vu la porte. Ah, je crois. Je ne crois pas. On ne sait pas. Verrouillé. Oh là là. Alors là. Là, si je redescends, on est de ce côté. C'est ça le souci. Alors attendez. Déjà, là, c'est sûr, c'est ici. Ah mais là, cargo hold 2. Let's go. Trouver les... Ok, trouver l'ascenseur. Let's go les gars. Par contre j'ai vraiment pas de... Ouais bah t'as dit quand même que ça existait pas renouveau. Parce que t'as dit, les allergies c'est une maladie du 21e siècle. Donc ça veut dire en théorie que ça existe pas avant tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oh non, non, attendez, je vais aller à gauche d'abord, d'avoir des objets. Mais je comprends ce que tu veux dire, ouais, ouais, ouais. Bah d'ailleurs, le gluten, la maladie de cœliaque, les gars, que ma mère a, elle est allergique au gluten, ça n'existait pas avant. Et ça, c'est parce qu'on a transformé le blé. On mange, les gars, des... du blé, du caca, je vous jure, c'est vrai. Et ma mère, des fois, quand elle mange, genre, il y a des gens qui sont allergiques au gluten... et qui mangent certains comment dire ça, certains produits de, d'agriculteurs qui ne transforment pas leur, leur blé, et ben ils sont pas allergiques hein. Je vous jure. Non, maladie du 21e siècle ne veut pas dire que ça n'existait pas. Bah oui, mais moi je le vois comme ça, neuro-nouveau. Moi quand on me dit par exemple genre je sais pas je sais pas comment expliquer, mais quand on dit maladie du 21e siècle, ça veut dire que la maladie elle a spawn au 21e siècle, hein, les gars. Désolé, hein, moi c'est comme ça que je le comprends. Ça marche pas, ok, ok. Et là, c'est trop sombre. Oh là là, smiley là. Refranco-algérien. Ok, les... Oh là là! Bon, eux c'est des sbires, hein. Faut pas oublier les gars, ils sont, c'est pas des êtres vivants encore. Il est quelle heure? Il est minuit, qu'est-ce qu'on fait les gars? On stoppe.